Nous sommes sur Offberman. J'espère que ça vous fera plaisir parce qu'on a de la mission en cours. Donc je vais vous montrer exactement sur quelle mission qu'on est. Merci pour les 1500 bits, monsieur Carpiste. Merci beaucoup, merci, merci. Du coup, on a. Alors les gars, il y a de l'épandage en grès, on est d'accord. Et il y a une mission de récolte. Voilà, qui est déjà en cours, qui est déjà en train d'être faite par Soussou et Anto, normalement. J'y vais, je vais aller voir vite fait. Non, Anto est pas là. Mais Soussou ouais, qui est dedans, ouais. Déposé, ouais, t'as juste déposé les remorques, ouais, d'accord, ok. Ouais. Voilà, d'ailleurs, nice. Si tu veux prendre la remorque qu'il y a à la ferme et celle-là, les poser au bord du champ, après que tu les aies vidées. Avec Bah écoute, le temps que tu les remplisses, normalement, ça aura fait là, le café. J'ai la trémie, j'étais à 18 000 là, sur la trémie, donc. À 18 000 sur la trémie, ouais, tu vas peut-être remplir les deux remorques, quoi. Ouais, mais la première, je crois qu'elle est remplie là. La première, ah bah oui. Ah oui, c'est vrai qu'on a la capacité de charge. On est à la limite oui. De charge. Et ben on va aller vider ça. On va vider ça où? Et voilà. Et où, chef, la t'as, mission? T'as un point d'exclamation sur la carte. Je le cherche. En bas à gauche. En bas à gauche. Ah oui, ok. Dessous le 18. Ok, dessous le 18. Ah, ça va. Coupe. Hop, tac, tac. Je fais un petit demi-tour et c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. On perd pas de temps, on met du son. Et on arrache cette mission rapidement. Il nous faut absolument de l'argent pour passer l'hiver. Oui, parce que je ne vois pas faire un peu de bois pendant l'hiver. Je voudrais être confortable niveau financier pour arriver à passer. Après, si on n'a pas assez de... Voilà, si on n'a vraiment pas assez, bon, on fera peut-être un peu de bois. On verra ce qu'on taclera. Je suis pas sûr qu'on pourra acheter un terrain, mais on pourra peut-être tacler 2-3 trucs assez gentiment. Histoire de dire de faire un petit rendement de caisse, quoi. Parce qu'en hiver, bah, y a pas grand-chose à faire. Il y a surtout pas de mission. Donc si on veut s'en sortir, va falloir y aller, quoi. J'ai allumé la guirlande, nous arrivons en ville. Quand on arrive en ville, on va foutre le dawa. On va griller les stops. Écraser ma vie sur le trottoir. Hop là, pardon. Je vois pas la route, je me baisse. Est-ce que vous avez vu? Les pommes, elles sont où? On va faire un tour du jardin. On va faire un tour du jardin. On n'a pas avancé énorme. Hein. Ouais. On a avancé 6 heures. Il peut-être 2-3 caisses sûrement. Ouais, il faudra peut-être vendre 2-3 caisses, mais c'est peut-être pas le bon moment pour vendre, je pense. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour vendre, je pense. Mais on peut y regarder de tout près, ouais, sans problème. Hop là. Oh, il est un peu brutal le schizo. Du coup, on vend ça où? Oh, on vend ça là? Sérieux? Non. Ah si. Là à droite. Non, pas là. T'es sûr? Pas là. Oui. Et lui, le point d'exclamation, il me le donne là. Hein. Va à gauche. D'accord. Tu longes les animaux là, et ouais, là ouais, tu vois, je vois, ouais, ouais, je me doute, ouais. Et tu fais gaffe, il y a une limite de hauteur. Il y a une limite de hauteur, bah c'est super ça. Oui. Ouais, c'est super. Si j'en avais pas assez à gérer. Et au milieu, il y a un trou. Et au milieu, il y a un trou. Descendre. Ouais, ok, ouais, chef. Ok. Attention aux limites de hauteur, est-ce que ça va passer? Salut tout le monde, salut Alfredo, salut. On va aller voir le jardin. Putain, ça va toucher, chef. Ça va toucher, chef. Ils auraient pu agrandir un tout petit peu la plaque, là. Oh, les gars. Un petit peu, ouais. J'aurais pu faire un déchargement en porte-à-grains aussi, hein. Je crois qu'il était un peu con. J'aurais été plus... J'aurais deuxième... pu être moins con, quand même. Hein. J'avoue deuxième, que... Oh, sur la deuxième, je vais me mettre au bord, regarde. Hop, mettre là. Voilà, ça va passer crème. Il m'a à prendre. Nice. On va avancer pour pas que ça tape. Yeah, allez. Merci Pam Pam. Pam Pam qui fait péter 250. Merci beaucoup. Hop là, du coup on est à combien de la mission là? Alors non qui? Je te laisse vérifier. Hola Romain. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Est-ce que c'est la forme? Et le train de live qui a 45 secondes de démarrer mais qui ne démarrera pas. Ah, je pense pas. Je peux me tromper. Mais je pense pas qu'il démarre aujourd'hui. Ça va, merci. T'as le micro, il me gêne. Là. Pourquoi il me gêne aujourd'hui là? D'habitude, il me gêne pas. Là, il me gêne. Là, j'arrive pas à lire mon chat. Merde, t'es dans quel champ? Oh, 21. Ah bah oui, je suis pas dans le bon champ. Map, ou quoi? Ouais, je me fais un petit tour de map là, je me promène. Je te voyais au loin dans la campagne.
Je testais la stabilité du fent avec un double remorquage, voilà. Regardez comment ça se passait. Ça va très bien, ça va très bien. Toujours à moitié la crève, toujours à moitié le... Voilà. Pas trop encore une grosse forme. Ah bah c'est le train de la hype pété. Et à la dernière seconde, ils m'ont fait péter le train de la hype. Et le train de la hype démarre. Merci beaucoup, grâce à Tonton. Tonton et Georges. Tonton qui offre 5 subs et Georges qui offre 100 bits. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, level 2, 69%. Ah bah voilà, très bon chiffre. On va attaquer ce live, c'est impeccable. Impeccable. Hop là, bouge pas, j'arrive. Comment il va, Guillaume? Salut Pig, salut Filou, salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Déplie la buse peut-être, non? Ouais, peut-être mais un peu je plein. Vais mettre un endroit où tu peux... Ok, d'accord. Me suivre, hein, bien comprends. Vu, chef, c'est bien vu, c'est bien vu. Allez, vas-y. On enquille. On n'a pas le temps. Faut faire des sous-sous. Je parle pas des petits sous-sous, des sous-sous. Enfin, je suis à côté. Et le grain, là, par terre, là. Bravo! Hop là! Gère gère ta barre de coupe. Encore du rabat gauche, hein, si tu veux prendre un peu plus à droite. Bah, tu descends. Hein. Faire une virgule. Oh putain. Elle est déjà pleine, 60% les plaines de sorgho là. T'es sérieux? Putain, les bennes, tu mets pas grand chose. Bah ouais, j'ai mis la limitation en poids, mais je savais pas que tu mettais que 60% dans une... Dans une benne, quoi. Tu mets rien dedans. Hop là, et Georges qui fait monter ce train 77% avec ses 145 bits. Et Anthony qui claque 10 subs de plus. Et c'est parti. C'est la promenade du train. Le train qui se promène. Je vais y arriver, moi, me stabiliser. Du coup, je surveille le chat. Je crois pas. Ça va être compliqué là. Hop là, voilà. C'est bon, je vais y arriver. Je viens d'arriver, t'as pas pété le crédit, j'espère. Non. Bah non, tu me connais, t'es. Crédit, bien sûr, faut pas, voilà, t'inquiète. C'est bien passé. Le crédit, c'est super bien passé. Putain. Ça, on fait plus rien là dans la trimie. T'as plus rien dans la trimie, ah ouais, ça m'arrange parce que. Comment te dire. Niveau finance, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes à moins 465 000 euros. Donc oui, j'ai pété le crédit. Désolé, merci Popo pour les 40 bits. Et du coup, voilà, on est dans la misère parce qu'il faut qu'on avance quelques mois. On est au mois de septembre, on est à moitié chemin. Et il faut qu'on arrive à, jusqu'à minimum janvier, février, voire mars, le temps qu'on retrouve quelques missions pour s'en sortir. Et il faut surtout qu'on puisse s'acheter une faucheuse. Parce que la faucheuse va devenir importante, parce qu'on a fait, on a planté un petit champ d'herbe. Et du coup, si on gère pas cette herbe, ben on gagnera pas d'argent, c'est sûr et certain, sur la saison. Ce qui pourra nous faire très mal dans cette carrière, je pense. Voilà, donc on va essayer tout simplement de s'en sortir un peu plus gentiment qu'on était parti. Pourtant, on n'a pas été gourmand. Hein. On a perdu 100 000 euros sur un coffre qu'on a ramassé, qui nous a coûté extrêmement cher. Voilà, je sais pas pourquoi, ça nous a mis moins 100 000, donner 100 000 euros. Du coup, on est parti avec 300 000 euros, bah moins 100 000, on est parti avec 200 000. 200 000 euros pour faire une carrière en partir de zéro sur Off-Barman, bah c'est compliqué parce que les champs en plus sont pas donnés. Sont vraiment, vraiment pas donnés. Assez cher. Donc, du coup, ça nous a bien mis dans la merde. Donc ça, en espérant que ça se passe bien et qu'on remonte un peu la pente. Donc c'est pour ça qu'on tacle quelques missions pour s'en sortir. Bien le bonsoir à toi Gorgogne. Salut Chris. Toi t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit d'être là. Toi c'est au fond de ton lit avec un suppôt dans le cul, tu dors et tu reviens en forme demain. Hein? Interdit de chat ce soir Chris. Va dans les seins de ta femme. Va aller mieux. Salut Jazz 1067. Merde. Voilà, ne pas boire au volant. Je vous l'avais dit. Et tu pars à vide en plus? Je pars pas à vide hein. Je pars à plein là. J'ai une remorque qui est pleine pour sûr. Et l'autre, je sais pas pourquoi elle est à 56, mais. Au total, mais oui. Attends, je vais me mettre en vue intérieure parce que là, je vois plus rien. Voilà. Tu vas pinguer. Ça va le faire. Toujours autant de crédit. Toujours. Change pas une équipe qui gagne. Heureusement qu'on n'a pas les 10 millions, 10 milliards en crédit. Ah, tu m'étonnes.
Bah c'est même dommage parce que j'aurais 10 milliards en crédit, j'aurais peut-être pu réussir à faire quelque chose de bien. Hein. Merci Farmer pour les 100 bits, merci beaucoup. Ça aurait été de ouf là. Vous êtes des malades sur ce train de la hype qui est à la fin bientôt, à ses deux dernières minutes de ce petit train. Oh, pourquoi je suis pas passé là? En vue d'intérieur, je passe pas là, t'es en train de me foutre. Je suis mort là. Et petit Lulu qui remet ça, qui remonte à 31. Oh les gars, il lâche tout. Il lâche les fonds de tiroir les gars pour arriver à faire péter ce train. C'est magnifique, on est au level 5, 32%. Crocro qui nous a remis 10 bits, petit Lulu qui nous a remis 600. Ouh putain, ça y va, ça y va. Merci les gars. Comment ça, merci Pampa, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas suivi? Bonsoir Benoît, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, Ludwig, pardon, à chaque fois je veux l'appeler Ludwig, je sais pas pourquoi. J'ai trop joué à Mario Kart. Et Anto et petit Lulu qui remet car on est à 48%. Une minute de la fin. Il remet un petit sub. Ah, j'ai un écran noir. Je touche plus à rien. Ça va revenir. Voilà, c'est bon. C'est revenu. Quelle image Nvidia qui a dû se faire en même temps. C'est bon. Je pars me coucher. Réveil sonne tôt demain. Ok, pas de soucis, Pampan. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. Des bisous à toi. Et puis, bah. À très bientôt. Et bon courage pour le taf. Le taf ou le perso. Merci, merci. Et merci Jess pour le follow. Merci beaucoup. T'inquiète, je me suis levé histoire de me faire à manger. Et je retourne sous la couette après. C'est pas quoi faire, tu peux lancer 10 lingots d'acier. Histoire qu'on puisse réparer les marteaux sur Ico. Voilà. si t'as la force. Histoire de dire. C'était pas à gauche là? Non, je vais pas me faire avoir. Et Jimmy qui lâche son prime, le 7ème mois d'abonnement, merci les gars, merci pour le soutien, le train qui repart. Aïe aïe aïe, level 4, merci beaucoup. Oh putain, j'ai failli me payer la voiture. Et sur le level 4, le level 5 était pas fini. Merci énormément les gars, merci pour les subs, merci pour le soutien à la chaîne. Merci beaucoup. De rien, j'ai déjà ta chaîne YouTube, autant que je continue, bah ouais, carrément, putain, ne pas lire le chat, pas de portable en conduisant, hein, je l'ai déjà dit. Bah oui, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, merci. En plus, tu verras, sur Twitch, c'est marrant, parce que t'as des petites exclus que je donne pas forcément sur YouTube. Ça peut être intéressant de suivre sur Twitch. Mais il faut pas le dire trop fort, parce que YouTube nous écoute, ils vont avoir l'ardif. Eh vas-y, déplie la buse. Grand chef Soussou. Hop là. Char 21 à 70%. Il reste 30% à faire. Ça devrait bien se passer. Anto, du coup, tu nous tapes les engrais, s'il te plaît. Ouais, je vais aller faire ça. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. La carte ne bug pas trop. Non, franchement, j'ai pas de problème. On n'a pas de problème sur la carte pour le moment. Touche du bois. Voilà, touche du bois, pour l'instant ça fonctionne très bien. Non, justement on n'a pas touché le bois encore. Oui. Si, moi j'ai touché, tu vois. Encore. Ouais, j'ai touché du bois, j'ai du bois partout autour de moi, donc si. J'y touche le bois, pour l'instant on n'a pas de problème, on a zéro souci. Je vais aller voir le jardin là, quand on aura fini un peu problème là. Attends, bouge pas. Ah, dommage. Ouais, je vais refiler ma crève à Chris, il a trop traîné avec moi en certaines nuits. Non, tu veux pas? Bon bah, allez, on va aller voir le jardin. On va voir comment se porte notre petit jardinier. Ça va être sympa. Éteins le moteur. Oui, oui, c'est toi qui paye le gasoil d'émission de Locke, ouais, je comprends. Wouh! Putain, ils m'ont rempli... Ah ouais, bah si, bah y'a... Y'a un petit plateau. Un peu. Hey, y a sac de patates et tout. Y'en a encore dans le jardin? Ouais, c'est les oignons, ça. Tout. Ah oui! Elle est pas finie. Elle est pas finie. Et les pommes, t'as réussi à en avoir, là, les pommiers? Bah, je sais pas comment elles pop. Elles pop, au bout d'un moment, elles vont te faire des cagettes au sol, comme les autres. Putain, y'en a. Pour l'instant, non. Putain. Oh, vieux! Y'a de la laitue, chef! Occupe-toi donc. Eh ben, on va s'occuper de ça. Peut-être remettre de l'eau, aussi. Le patron, il est contagieux par micro interposé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faites attention, hein. On sait jamais, hein. Capable de vous refiler la bronchite aviaire. Eh non, mais si, en fait il dit pas tout, c'est juste que Chris il était sous le bureau. Ah voilà.
Donne pas les dossiers, sois... sois pas jaloux. Il y a encore l'occasion de le faire, c'est pour ça. Sois pas jaloux. Non, non, mais allez. Hop là. Du coup, on va voir, ouais, on va avoir un petit plateau. Je sais pas à quel moment ça se vend le mieux. Il y aura peut-être un petit plateau qui se vendra pas dégueulasse. Ah, tu vois, pour le peu que ça... Je disais que ça rapportait pas forcément, mais si, en fait, ça rapporte. Elle est où, ma caisse? Elle est là. Elle est où, ma cagette? Oh, excusez-moi, les voitures, là, vous calmez. Hein. Hop là. Ah, bah, j'ai la voiture qui me roule dessus, tu sais, sans aucun problème. Aucun scrupule. Ouais, carrément. Et s'en fout de ma vie, tu sais. Par contre, pour les mettre dans la caisse, il y a intérêt à trouver un truc qui soit un peu mieux, parce que, alors, celle-là... Ah là c'est bien, hein, c'est marrant, hein, mais ça va pas durer longtemps. Hein. Chris veut devenir modo. Oui, pas tant. Tu sais que j'ai joué au jeu, hein. T'inquiète, je vais m'en sortir. Je pense, hein. Je suis pas sûr. Laisse-moi là, laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire tomber tout le plateau. Ça fait de l'animation et tout, c'est bien pour. Oui, après c'est pas toi qui aime ça. Oui, je comprends bien. Oh allez, bah, les gars, ils sont gratuits ce soir. C'est ça, y est, ils sont en forme. Tu comprends bien. On verra où tu seras sur la coupe. Hein. Hop là. Hey, Boussoué Lambélin, comment il va, hein? Bah alors, l'esclave là? Hein? Et où? Hein? C'est pas mon esclave du soir là. Ah bah là, je suis en train de faire ton boulot là, je ramasse les caisses. Pour le café, c'est 3-4 ouais, points de chaîne. Pour un rhum orange, là. C'est 10 points de chaîne. Alors non. Pour un rhum orange, c'est beaucoup plus cher. Et j'en ferai pas, hein. J'en ferai pas un pour une question de sobriété. Que tu me files un rhum orange à cette heure-là. À 11h quand on finit le live, je sais pas dans quel état on sera, mais on sera pas joué. vous inquiétez, j'ai pas le choix d'aller mieux, la banquière. Transformée en infirmière, mais pas sexy. Plutôt en mode démon qui fait peur. Oh putain, merde. Pas de chance, toi. Dommage, hein. Je te filerai une bonne adresse, un de ces quatre des bonnes infirmières. Un hôpital où ils soignent bien. Je sais pas s'il aura la ref, on verra. Une drogue alors? Non, non plus. De quoi? Ici dit ta femme elle va? Non. Ah, tu veux pas venir avec moi toi? Ah si. Putain, mais y en a un paquet là, on peut pas mettre ça dans les brouettes là? Bah, tu en mets une, mais essaye là. T'as la brouette. Ouais, mais t'en mets qu'une, ouais. Tu peux pas aller te promener voilà. À 2-3 dans les brouettes, quoi. Non. Ah ouais. En plus de produire à masse. Bon, après, tu vas me dire, ils sont pas gros, hein. C'est 16 unités, hein. Et 16 chou-fleurs dedans. Pas sûr qu'on va faire des grosses ventes, hein. Ça va faire des putains de palettes pour pas beaucoup de ventes. Franchement. Ça fait beaucoup de palettes, quand même. Mais bon, c'est le jardinier aussi, hein. Bricolage pour rien. Bah, pour rien, non. Parce que c'est toujours quelque chose. Oui, c'est beaucoup de décollage pour pas grand chose. T'es d'accord. Mais bon, ça reste RP. Tu vas pas mettre 200 choux dans un. Dans... Allez, ta carton comme ça, quoi. Oui, puis c'est surtout que tu vas pas pouvoir les soulever. Ouais, tu les soulèverais pas à la main, ouais. Ah oui, c'est vrai que, ouais, tu vois, même pas tilté, mais c'est vrai que oui, les palettes à la base, tu passes pas la main. Aujourd'hui j'aurais pu picoler, c'est l'anniversaire de ma cousine, mais sachant que j'étais Sam, j'ai rien vu. Ah bah c'est bien, très bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et bah joyeux anniversaire à ta cousine, au passage. Faites nickel. Normalement on arrive en Bretagne avec les choux. Aujourd'hui j'aurais pu picoler. Non, celle-là je l'ai lu. Viens à Bucarest, je vais te présenter moi des infirmières, lol. Ça va être sympa. Petit tour à Amsterdam au passage. En une petite shop Bucarest, Amsterdam. Ouais, c'est pas à côté, non, mais c'est justement. Si t'as les moyens d'aller à Bucarest, tu peux passer par. Voilà, tu rentres par Amsterdam. Je veux passer par Amsterdam avant d'aller à Bucarest. Oui, il y a un peu le temps de décuver. Dans n'importe quel sens, faut y passer. Ça vaut le détour. Ça va être sympa. Hop là. Ah, ils vont me faire passer pour un drogué. Hop là. Ah ouais, par contre, le jardin, ouais, le jardin, il produit beaucoup, hein. On n'a pas avancé des masses, en plus, hein, c'est ça le pire, t'es. Bonsoir, Kratch, bonsoir, bonsoir. Faut pas en prendre deux, hein, je me rappelle bien. Non, 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 une.
Je vais essayer. C'est dommage, ouais. j'aurais bien tenté, mais bon. Tu peux les pousser par contre. C'est une banquière, c'est normal, quoi. Tout à fait normal. Il n'y a pas une autre entrée pour le jardin ? Non, enfin si, de l'autre côté, il y a une autre entrée de l'autre côté, je crois. Une entrée en haut là ? Je me rappelle bien, non ? Il est un peu plus large, regarde. Ah non, il n'y a pas d'entrée. Non, il y a le barbecue, hein, pour faire griller les saucisses, il y a le bout de bois, sans problème. Il y a la petite balancelle. On pourra se détendre après. Une fois que t'as fini le jardin, on va se mettre sur la balancelle. On va se promener, ça va être impeccable. Savez-vous planter les choux à la mode, Planter les choux à la mode des mosquitos. Alors j'avoue que le champ, ouais. C'est pas ça qui va nous faire gagner de l'argent, mais par contre, ça va nous prendre du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que, dans le sens, on va peut-être s'amuser à le mettre en serveur communautaire, of Bergman. J'avais demandé tantôt si ça vous intéressait dans le premier épisode, je crois. J'avais dit si ça vous intéressait. Et franchement, vu que vous étiez nombreux à dire ça pourrait être pas mal, je pense qu'on va la claquer en serveur commu. Voilà. Comme ça, ça permettra d'avancer un peu le temps, de farmer un peu le matériel et tout. Et de voir les trois tips de la carte. Ça pourrait être sympa. J'essaye de voir ça avec, avec mon partenaire Caliportal. On va dire début de semaine prochaine, je pense que ça serait bien. Et lundi, je pense que... N'hésitez pas à venir sur le Discord, parce qu'à partir de lundi, je pense qu'on va balancer les hall mods et balancer tout ça qui va bien. Pour dire que vous puissiez nous rejoindre et venir avec nous sur la Hofbergman pour travailler. Travailler dur. Voilà. Ça va. Et bien sûr, réservez PC. Hein. Enfin, pas cross-platform, les gens. La carte est pas cross-platform. Désolé pour les consoles. Soul, oui. C'est entièrement de ma faute. C'est une volonté pure. Il a trollé jusqu'au bout. Pardon. Et le gars, en fait, il m'a laissé toutes les cagettes de choux, quoi. T'as tout ramassé sauf les choux, quoi. C'est ça ? Ouais, c'est ce qui a popé après. Téléportation farouche. Il faut bien que tu travailles un peu aussi. Ouais. Dans le jardin. Je comprends. Je comprends. Je pense que là, elle est vide, la caisse. Là, elle est encore pleine, tu vois. Les choux sont en zéro gravité, là. Les choux sont en zéro gravité, ça devrait bien se passer. Ding, ding. Du coup, on va vendre tout ça où ? Parce qu'on doit pas pour voir grand chose en plus. Ah putain, mais il m'en a même mis encore dans le 4x4 aussi. Bah, j'ai mis le raisin. Ok, bah, on va attendre un peu alors. Parce que là, de toute façon. Ah si, j'ai encore un panier de raisin peut-être. Ah non, c'est la brouette. C'est la brouette. Ah, ça bosse dur. Ah ouais, tu m'étonnes, ça bosse dur. Ah là, ça bosse dur. Et puis ça bosse pour de l'argent, là, attention. 16 litres la cagette. Ça bosse très dur. Non, bah là, c'est bon pour l'instant. On va attendre de remplir le 4x4, hein, on fera une grosse livraison en même temps. On était en mission, je suppose qu'Anto m'a repris Fent. Oui, Fent. C'est la fête. Soir. Ah bah tiens, Lambella. L'esclave. Lambella. Attention, la synchro. Pas de soucis. Salut. Ça y est, t'es décidé à bosser maintenant que j'ai ramassé les cagettes, quoi. T'as attendu que je ramasse les cagettes pour venir. Bravo. T'as bien fait d'attendre. J'ai un peu plus attendu que madame se fasse à manger. Oh putain, toujours une histoire. Toujours la femme, hein. Toujours à cause des femmes. Oh là là. Oh bah bravo. Hop là. Ouh putain. Où ça m'a emmené? Elle a bon doux la femme quand même. Laisse-la manger. Ouais, moi pendant ce temps-là, elle te mange pas toi. Et de reboucher le crédit aussi, ça va être le vrai défi. Oui, tu m'étonnes. On est d'accord. Tu as trouvé la map sur quel site? Bah, sur LSFM. J'ai mis le lien, hein, sur la première vidéo de Hofbergman que j'ai sorti sur YouTube. Il y a le lien. Hein, il y a le lien en description. Ouais, l'ADL. Vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Monsieur Panda, salut, salut. Ça va bien? Oh putain, je me suis gouré de roue. Hey, je me repromène. Ouais, j'ai lu mon chat. Fini. C'est bien que t'aimes te promener. Hein. Faut que je rame le gasoil. Ça devrait être précisé sur les contrats qu'il faut reboucher le crédit du patron.
Ouais. Alors fais gaffe, je t'embauche pas en vrai, parce que si je t'embauche en vrai, bah tu vas me reboucher le crédit, y'a pas de problème. C'est vous qui payez sur votre paye, les gars, y'a pas de problème. On peut s'arranger, on peut s'arranger. Du coup, qui a besoin d'aide, pourquoi? Y'a besoin d'aide pour faire de l'argent. Voilà, c'est ça que ça fait. On fait quoi? Ben on essaye de faire de l'argent, mais je suis encore gouré de route, hein. Tu crois quoi? Je suis perdu sur cette carte. Bah l'exclamation il est à gauche. Oui, oui, non, mais je suis paumé. T'aimes bien visiter, hein. Ouais, je me promène. Je sens que cet hiver on va faire du bois tellement qu'on est mauvais là. Je sens bien qu'on va tacler un peu de bois. Ouais, c'est ça, il y aura une clause écrite en tout petit. Mais ça, c'est cool, le gars. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympatoche. Ah, contrat du champ 14 à 10%. Ça y est, il est parti épandre l'engrais. Bah, le 12, j'ai déjà fini. Hein. Ah bon? Ouais. Il a décidé de bosser aujourd'hui, Antoine, t'as vu? Il regarde pas là, il regarde son chat. Y'a quoi dans ton café, patron? Bah, y'a rien. À mon avis, un peu de gnoul. Bah, à part du chocolat. Ouais, c'était un chocolat que j'ai pris. J'aime bien attaquer par un chocolat. J'ai mis le pouce café. Tu veux rendre le 12 pour prendre le 8 derrière? Non, j'ai pas mis. Oui, bah le 12, oui, et puis après le 8, je vais aller le faire tout de suite derrière. Hop là. Oui, mais est-ce qu'il faut prendre la mission, du coup? Ouais, mais attention, y'a pas de multimission. Regarde si toi tu peux prendre une autre mission déjà. Attention, y'a pas de multimission, en fait une mission à la fois. Bah, c'est pour ça que je viens de lui dire ça. On a le droit qu'à 3. Y'a 3 en même temps, ouais. Wow. Ah, avec du labour à cette heure-ci, merci. Du labour à cette heure-ci, merci. Ouais, surtout qu'on a pas la bécane qui va bien. Donc, moi je serais toi, je le prendrais pas. Bah, plus de pouces que de café, ouais. Je comprends. Je comprends, je comprends. Ah non, j'ai pas de la patate. Je ne relèverai pas. Pas de la bourre, pas de patate. Tu veux pas bosser, quoi? Non, mais je peux rester qu'une heure surtout, donc. Ouais, en plus. Pas de la bourre, pas de patate. En plus, il peut rester qu'une heure. Bravo. Ah, moi aussi, je vais aller voir mon patron, je vais lui dire, écoute, reste qu'une heure, j'ai pas envie de bosser. J'ai d'autres patrons qui me traitent d'esclave déjà, et... Mais ils me payent. Ah bah déjà, c'est un avantage. Contrairement à moi, c'est vrai que moi, paye pas. Laïla. Méchant. Laïla, je ne la connais pas. C'est une nouvelle employée. C'est la secrétaire. C'est la banquière. Non, c'est une chienne. Ah bah, au moins tout ça alors. Désolé à tous les Laïla. Désolé à tous les Laïla. Laïla. C'est Neila. Laïla. Avec un N. Ouais, avec toi, avec tes noms compliqués, tu sais. Eh bien, un mec de côté de l'Allemagne, hein. Ah écoute, c'était l'année des N, alors on lui a mis un N. Quand la remorque fait drapeau derrière, ça se passe bien. Bon, est-ce qu'on va faire assez de sous pour acheter au moins une faucheuse? L'année des S, on mettra un mot simple. Ah oui, je comprends. Oui. Il reste 1% schizo pour finir la mission. 1% pour finir la schizo mission. Ouais. Ça va être pas mal. J'arrive là, je te vois au bord de champ. Ouais. Ouais, moi aussi je te vois. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est moi ou les véhicules ils glissent beaucoup plus là? Mais pourquoi il est pas parti sur la route? Bah, en fait j'étais sur la route, mais quand j'ai tourné là, la remorque m'a ramené sur le champ. Du coup je suis resté sur le champ. Voilà. 1%, ça veut dire qu'on garde le reste de sorgho là? Oh putain, je me suis pas aligné quoi, t'es sérieux? Bouge pas. Là, ça devrait bien le faire. Ça devrait bien le faire. C'est un chocolat avec de l'eau de vie. Et faut rien dire. C'est pas juste de balancer comme ça, vous avez pas honte? Attendez, je me repositionne confortablement. Et mes jambes. Ouais. Hop là! Watch là! Ouh, j'ai failli manger le bureau. Je me suis légèrement loupé dans ma connerie. Là, c'est bon, je suis vide. C'est cool. Du coup, je suis pas obligé de promener les deux remorques là. Je peux en lâcher une. Oui. De toute façon, y a plus de récolte là. Hormis patates. Hormis les patates, non, y a pas d'autres récoltes. Il s'est mort le truc. Mais peut-être qu'il y aura d'autres récoltes dans la journée. Même si. Ouais, je suis pas sûr non plus. On va avancer de 6 heures. Hein. On va attendre qu'ils finissent l'engrais là.
On peut garder la mission active, on aura peut-être du... Ah mais le problème c'est qu'on a le droit qu'à 3 missions. Ouais. On aura peut-être du maïs, tournesol ou soja... À récolter ? Après, ouais. Ouais, mais on n'aura pas la barre de coupe. Hein. Soja, oui, mais pas maïs, ouais. Ouais. Je suis pas sûr de l'avoir. Hein. Faut voir sur la carte. Non, mais ça devrait être bon. Je pense que ça devrait être bon. Du soja, on a le 12 et le 7. Après, on a en maïs, on a le 3, le 23, le gros champ. Le 28, ah, c'était la double qui m'emmerdait, là. Ouais. Attends, bouge pas. Je vais te dire ça. Épandage engrais, il en reste une en épandage engrais, 7000. Surveille, t'es en train de. Des patates. T'es en train de vider les sorgho là. Voilà, bah, ça a vendu un peu. Surveille, Kini. Il a tout vendu et le bénéfice. Et non, il reste 2467 litres. J'ai pas vendu le bénéfice, c'est pas vrai. Je regardais le score environnemental où on en était. Oui. Et mauvaise langue. Il regardait pas où il faut. Ouais, c'est ça. Regardez pas où il faut. Hop là. Ça t'étonne ? Yo, comment non, ça va ? Non, ça va bien, Gris ? Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, qui dit ? Bravo ! Rien ne m'étonne. Merde, le régulateur qui était pas. Putain, j'ai pas fini le champ 14. Non, t'as pas fini le champ 14. Du coup, avance un peu le temps pour voir si t'as une autre récolte. Vas-y, il faut que je me mette en admin. Attends, vas-y, j'avance le temps, surveille l'émission. On va voir s'il y a des missions qui pop, c'est jamais. Champ 14 terminé. J'accepte ta mission en 14. Tu peux le rendre. Allez, fais ça. Revenu des contrats à 5000. Bon, ça va, on a fait 13000 en moins de 40 minutes. Je prends le 8, Anto. Oui, j'y vais là. Voilà, c'est bon, je l'ai pris. Waouh. On va mettre ça à la ferme. On pas le temps. La voiture. En double fil, ça passe. Oui. Oui. Ah merde. Dommage. Ah, je faisais un truc skié, dommage. Ah bravo. C'est l'autre là, il a pilé, tu sais. Oui. Il a pilé, quoi, il a fait le fou. C'est l'arbre qui est venu au milieu de la route, c'est non, ça. Non, c'est la voiture qui a pilé devant moi. Après, il faut dire que j'étais un peu bourrin. Qu'est-ce que ça va faire ce soir? Ça devrait passer quelques mois normalement. Normalement, on devrait passer quelques mois histoire de... voir si on est dans la merde pour l'année prochaine. Et on va passer le serveur en communautaire à partir de lundi. Voilà. Donc il y a de fortes chances que vendredi on fasse du call-off avec VG. J'espère que ce sera pas annulé. On n'arrivera pas encore une sucette parce qu'en ce moment les vendredis c'est vendredi noir. Donc, vendredi c'est repos. Donc peut-être que on aura un petit peu de chance et on pourra aller faire du call-off en MME, en domination et tout ça. Franchement, ça pourrait être sympa. Faut gagner des sous ce soir car 13k c'est peu. Ouais, mais on a un peu plus de 13k. On a l'émission. L'ensemencement, tu où? Ouais, je vais le faire, non? Non. Non? Non, c'est trop long. Trop long, ça sert chier. Le dos droit, oui, je me mets le dos droit, pardon, excusez-moi. Run. Je sais pas pourquoi j'ai pas entendu l'alerte d'ailleurs. Terminé, hein, l'abourage. Non, bah, je vais avancer un peu le temps. Attends, bouge pas. Essayer de choper un. Sûr qu'il sera pas dégueulasse. Si j'appuie pas sur le bouton, ça va pas le faire. Hop là. Après, on a. Il nous faudrait minimum 60 000, c'est ça? Pour la faucheuse et tout ça. Faire l'herbe. Pas de mal. Il faut voir dans les occases. Si on a pas. Non, c'est bon. Il y a une faucheuse dans l'occase à 17 000. Une faucheuse arrière. Ah, c'est pas une déportée, j'espère. Ouais. Attends, je vais regarder à ça. Une 7m3. Ah ouais, une Hello. Hello. Ça peut être pas mal, bah, ça. Il faut 180 chevaux. Bon, ça devrait le faire avec le JD là. Bah, là, il fait 175 chevaux, donc ça devrait le faire. Oui. Et c'est une frontale, ça. Non, il y a rien. Gaspard. Non. Section. Que bah, tu peux la mettre devant ou derrière. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh putain, il me parle de la petite de la vieille agricole, je suis sûr. Attends, je vais vérifier un truc. Faucheuse. Putain, je les vois plus. Faucheuse. Retiens de prairie. À gauche, à côté de Faneuse. C'est faucheuse. 12 000 euros pour la petite. 50 13.
Ouais, non. C'est... Si, on peut la prendre. On peut la prendre. Carrément la prendre. Ouais, sur la vie agricole. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait que tu trollais. C'est bien ce qu'il me semblait que tu trollais. Remets-moi 5000 de plus du crédit, là, s'il te plaît. Là. On achète ça. Ouais, je te fais ça. Y'a ah. plus. Ah si. C'est bon. Allez, je vais... Eh, tu sais quoi? Oui. Si on a toujours le feint dans lequel tu es, on pourra s'en servir de la faucheuse. Je sais pas, parce que là je vais avancer le temps, mais là il va être 3h30, donc on va perdre la mission là. Je vais la lâcher la mission. À part s'il y a d'autres missions qui devraient spawner, mais on va réussir. On va voir. Centre. Est-ce que ça va nous redonner des missions? Ça a pas l'air. Hein. Je pense que là l'hiver va être compliqué. Bien sûr. Attends, attends. C'est compliqué. Un labourage actif en plus. Et un épandage anglais. Ouais, il y a l'ambella sur le labour. On aura rien de plus, les enfants. On aura rien de plus. On aura rien de plus. 20 étoiles en engrais et en labour. Là. Oh, labour, je suis très loin. Ouais, labour, on pourra passer 24 heures. Et l'engrais, t'en es où Il est à 30% là. Passé. C'est toi avec le vario hein. J'ai même pas fait un tour. Ah putain, ouais, c'est vrai que je le vois pas. Ah oui, je le verrai pas. Je le verrai pas, chef. Ah oui, j'ai pas l'analytique du champ. Oh, pourquoi le champ 3 il est en mode dégueulasse là? En azote. Les gars, on a oublié de préparer un truc en azote là dans le champ on d'herbe. On a peut-être pas mis d'engrais. Et le champ 3 c'est l'herbe? Attendez, oui. Je vais regarder les gars pour les sauts d'alerte. Oui, oui, c'est l'herbe. Voilà. Alors oh, mais tu sais quoi, vu que. Pourquoi vu que. Non, on a pas encore azote. Rendu la mission. Je vais peut-être lui emmener le gros feinte. Non. Bah, le pH azote, on est bien là. On est bien. C'est la chaux alors, qu'on est pas bon. C'est. Oui, c'est possible que ce soit la chaux. Mais pourtant, oh, la chaux, on l'a passé. On l'a passé. Bah, ben oui, c'est moi. Et t'es tout en vert là. Regarde les valeurs. Il y a marqué parfait. Oui. Oui, tout est parfait. Ah oui, les gars, vous avez raison. Petit problème dans la plantation. Quoi, ça pousse pas. Hop là. L'herbe, elle est en cours de croissance, mais elle est quand même assez haute. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On risque octobre. Elle a qu'un jour là, non? Ouais, ouais. Elle a qu'un jour. Ouais. Ah bah attends, ouais, je vais attendre un mois encore. Je vais chercher la faucheuse avec le feint. Parce que là, il est pas prêt pour la récolte, si? Non, elle est en cours de croissance. Je sais pas du tout. Mais pourquoi il est mauvais en azote alors qu'il est bon là? Bah, ouais, non, pas. Mais. C'est tombé. Il y a un bug quelque part. Bah, ouais, il y a un truc qui doit pas jouer parce que là, normalement, moi, je suis pas dégueulasse. Je suis pas dégueulasse du tout. Hein. Attendez, les gars, je suis parti voir. Ah là, ouais, c'est bien pété là. Hein. Ah, c'est bien pété, hein, on est d'accord. On est d'accord, c'est bien pété. Ça, ça a bientôt changé ce logiciel parce que j'en ai marre qu'il fonctionne pas. Blop, blop, blop. Non, je suis bien connecté, ça a l'air pas pris. Ah, ça marche. Allez, alerte. Sous-marin, bruit, source is offline. D'accord, il me le marque comme si j'étais offline. D'accord. Ok, ok, ok. Non, mais cherchez pas. C'est ça que... se fait qu'il y a un poids, mon mag. Le chatbot doit être en panne. Ça doit être tout la boue. Je l'ai pas pris. Ouais, 1500 kilos. Ça va être en panne le machin, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Attendez, je fais juste un petit truc. 2 secondes. Hop. Oh. Pff, j'ai des alertes rouges partout. Le seul souci, en panne. En panne. Hop là, voilà. Tac, tac. Hop là. Sinon, stratégie. On s'amuse comment du coup? Si on n'arrive pas à avoir d'herbe, on n'arrive pas à avoir de mission. Comment on s'en sort?
Allô? On va déjà falloir passer une journée. Hein. Bah ça ouais, je suis d'accord. Va falloir passer une journée, ouais, c'est sûr. Il y en aura l'herbe. Est-ce qu'on l'attaquerait pas tout de suite la journée, histoire de dire d'être sûr et certain? Non? Comment ça? Est-ce qu'on l'attaquerait pas tout de suite la journée? Là, tout de suite, maintenant. Non? Bah il faut qu'on finisse juste là. Bah là t'as fini toi? T'en ouais, es où? Presque. Presque ou pas presque? Bah une longueur il reste plus ou moins. Parce que l'engrais tu peux le faire demain au pire, c'est pas un problème. Attends, bouge pas, je regarde où t'en es. Ah oui t'es dans le 8 toi. D'accord, ok. 98%. Ok. Tu as une marque préférée de tracteur agricole ou pas? Bon. Oui, j'aime bien Classe moi. Classe c'est la classe. Donc oui j'aime bien. J'aime bien ça, franchement. Bougez pas, deux secondes. Je fais un truc en même temps. Hop. 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 Marché le dernier coup pourtant, non? Bah non. Connerie. Qui a marché pas. De quoi tu parles? Pardon. Excusez-moi. Fous un peu le bordel. Hop là. Hop là. Voilà. Non, je refais. Je répare en live. Je répare en live. Hop là. Tout, 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 tout. Voilà. C'est bon. Ça marche. Oh, tu l'as pitché, ta merde. Donc, je disais qu'on pouvait vendre déjà les Schaeffer. Les Schaeffer. Les deux Schaeffer. On voulait vendre. Ah, tu veux les vendre? Ouais, celle-là, on peut les vendre. Les deux Schaeffer, on peut les vendre. Ça servira pas. Hein. À part si tu veux jouer avec, mais franchement, c'est compliqué. C'est la merde. T'en prends un, j'en sont prends articulés, un, bah on pourra, tu pourras pas les sortir. On va pas acheter les c'est poules. Super, c'est super ces trucs. Bah si hein, y en a un tu peux sortir. C'est super ces trucs en IRL. En IRL ouais, ouais, en IRL c'est marrant, c'est maniable, ah, mais... Nous on en a un à la ferme. Là on est pas en IRL. On a acheté ça à l'époque, une bouchée de pain. Là je peux pas. Elle vaut plus cher à le revendre maintenant que le prix qu'on l'a acheté. Ah ouais, sérieux? Bah tant mieux, faites une bonne plus-value. Non, on a acheté un télescope, mais on le grave quand même. T'as fini l'engrais, l'artichaut? Oui, je l'ai validé, la mission. Ok, et eh ben vas-y, on passe une journée là, go la ferme. On a perdu assez de temps là, hop. Putain de connerie de merde. Poulailler. La récolte, on la rend, hein. Eh, le chauffeur, tu peux essayer de le réinitialiser, peut-être que ça passera. Chauffeur, le réinitialiser? Chauffeur. Chauffeur, ah, tu veux que je le réinitialise? Bah oui, vu que t'as apparemment tu es bloqué par le portail. Il est sur le parking du concessionnaire. La... Voilà, et puis t'auras aussi l'accessoire. Voilà. Ça y est, c'est bon. Oh, 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 oh. Tu vas me laisser bosser en paix, ouais? Ça suffit? Pas non, possible, y a, ce y a mec. Que hein. Y a que le dîner. Tiens, passe la journée là. Jolie petite maison. Ah ouais, la maison elle est sympa. Hein. J'aime bien. Moi j'aime bien c'est... Ah bah je suis... Oh putain, t'as l'animation comme tu joues me couche. Mais dans le ouais, lit. C'est ça. On a... Moi j'ai l'écran que t'as actuellement en live. Ah, moi je te vois debout. Ah, je suis au lit. Ouais, je te vois debout aussi. J'étais au lit avec les gars. J'aime bien c'est ça. Allez. Putain. du coup... Ah non, on va pas être au lit avec toi. 8 heures. 8 heures, 8 heures, 8 heures. On est au mois d'octobre. Oh, travail des champs. Vas-y, je vais me le faire. On va se faire 10 000 de plus. Ah. Bon, le labourage toujours actif. Travail oui. Des champs, ouais, bah vas-y, prends le travail prendre, des champs. Je vais le prendre. Je vais finir. Non, mais prends pas la machine. Ah si, prends la machine. Hein. Non, tu vas non, crever. Non, je vais prendre avec notre machine à nous. Mais non, mais bah non, mais non, mais non. Mais non, mais arrête, on a 2000 euros de location. Laisse tomber. Avec le déchômeur à 10, tu veux t'amuser à machiner le truc? Ouais, ouais. Mais t'as pas fini, t'as vu la gueule du champ. Eh ben alors, on va passer la nuit dessus. Stop. T'as vu où c'est que t'as réinitialisé le chauffeur? Stop. Il est devant toi là. Stop le temps, j'avais dit. Y a de l'épandage en grès, on peut reprendre et y a une récolte. Récolte de betteraves sucrières. Oh, nice. Ouais, le chauffeur est là. Je vais ramener au magasin le chauffeur. Essayer de récupérer ça des marche. Thunes. Ouais.
Moi j'arrive juste au mag là. On a pas perdu beaucoup d'argent en fait d'ailleurs niveau comptabilité là quand je regarde. On a perdu quoi, 1500 de prêt du prêt. Ça va. C'est pété ça aussi. Hein. Dire qu'à l'époque, putain, au tout début du jeu, tu te claquais des 6000, 7000. Maintenant 1500 euros avec 500 000 euros, ça va. Hein. T'en sors bien quoi. Tu l'as vendu le deuxième chauffeur là? Ouais, je viens de le vendre. D'accord, ok. Ok, ok. Comment ça se fait qu'on... Ah, Anto il est passé par là. Ouais. Anto il s'est promené. T'as mis les sous de côté, c'est ça? Moi j'ai rien fait du tout. Il ouais. s'est promené. Tu veux dire, moi 2006. Ouais, c'est histoire de dire qu'on... Voilà, c'est comme ça qu'il gratte la trésorerie. C'est pas un Roro, ouais, mais c'est un Anto. Donc Roro il me gueulait dessus et tout, lui il s'en fout, lui. Il voit que je rentre de l'argent, plouf, il descend, t'as pas d'argent. Visualise-toi dans ta tête, tu n'as pas d'argent. Est-ce qu'Iso les voit pas, c'est qu'on arrive à rembourser le crédit, tu vois, c'est comme ça qu'il réfléchit. Faut pas que je les voie. Je les vois, je suis mort. N'empêche, ça marche. Ouais, ça marche bien, ouais. Tu veux que je te pousse avec ton chef? Ouais, je veux bien, là. Je veux bien que tu me pousses un peu, ouais, parce qu'avec kilomètre heure, ça traîne un peu de la patte, hein. J'arrive. Non, vas-y, fais pas le con. On est à 3 lignes en plus là, je sais pas qui est-ce qui est à gauche là. C'est qui coupe là? Un manteau, tu t'es pris pour qui là? Oh putain, alors bah, là, 37, 40, oh, bah, là, là, je vais m'envoler là, arrête. Je me suis pris pour qui? Je me suis pris pour moi. Non mais oh, Anto. Bien, dis donc. On coupe pas les champs comme ça, non mais oh. Je vais pas couper les champs. Si, je t'ai vu. J'étais en train d'épandre de l'engrais dans le champ d'à côté. Oui, c'est ça, ouais. On y croit, tu sais. Ah si, regarde, j'ai fini la mission du champ 12. Là, je fais la mission du champ 14. Je comprends. Anto, c'est un demi-euro. T'oblige à rembourser le crédit sans rouspéter. Ouais, bah ouais. Surtout, il arrive à me faire rembourser le crédit sans que je rouspète. Parce que je vois pas forcément quand il est descend. Ouais. Je le fais contre ma volonté. Non, pas contre, vu que t'es pas au courant. Elle le fait contre ma volonté quand même. Moi j'ai dit, on vend pas. Toujours agréable, Tim. Et que j'ai connu sur YouTube sur un tuto pour la création de champs avec une charrue sur la FS19. Putain. Ça commence à dater, tu l'as. C'est cool. C'est cool, tu sens encore là. Tu dois pas être si bon. Je pense que ça date de 2019. Ouais. Et bah, ouais. Je sais même pas si je l'ai refait sur le 22 celui-là. Non, je crois pas. Non. Il y a plein de tutos qu'on a pas refait sur le 22. Ah, il y a un champ de tournesol qui est mûr là. Ah, on n'a pas de récolte dessus là. À part si on avance un peu le temps, peut-être qu'on aura de la récolte dessus. Là pour l'instant, on l'aura pas tout de suite, c'est sûr et certain. Ah ouais, ouais, ils voilà. Ils vont le laisser faner ce monde de naze. Écoutez la musique un peu plus fort, hein. Oh putain, on est arrivé! Mon dieu, on est arrivé! Déjà? Ah ouais, ça y est, je suis arrivé. Vendre, oui! Vendre ce véhicule! Godet, hop là! Vendre, oui! Yes! Y'a de l'argent! C'est magnifique! Pas pour longtemps. Ouais, si, 27 000 de véhicules, c'est déjà pas mal. Par contre, attends, parce que moi, vous m'avez bouffé toutes les missions, parce que j'étais dessus comme la peste là. Bah ouais. Donc il y a labourage, travail des champs et épandage en engrais. Je suppose ouais. Qu'on a le droit qu'à 3 missions. Oui, bah oui. Et ouais. Y a pas de multi. Bah ouais, et moi je fais quoi là? Je vais branler les poules. Mais, va regarder. Ouais, va les hérissons. Si y a des œufs. Va voir s'il y a des œufs. Y a pas d'œufs, y a pas de poules. Y a que 20 poules. Et y a que 20 poules. Tu crois qu'elles ont fait des œufs, franchement? Bah va voir. Et regarde aussi par rapport au jardin. Regarde si le coq il a les couilles pleines. Je comprends. Regarde si le jardin il a produit des légumes. Ouais, fous-moi la paix avec tes légumes parce que sinon c'est toi qui vas le faire. C'est ton jardin d'ailleurs. Non, c'est pas mon jardin à la base, j'en voulais pas. tout. Il doit sûrement y avoir des choux et. Déjà on doit curer. Oh putain, il y a des œufs. Waouh. Ah non, si, ouais, tu m'as fait peur. Putain, mais c'est des petites palettes d'œufs quoi.
Cagette. Oh, mon dieu. Elle est où la brouette pour celle-là? Non, c'est pas celle-là. Elle est où la petite brouette? Si, si, c'est celle-là. Celle-là pour ramasser le fumier? Non. Ah si. Oui, si, si, c'est si, celle-là. Si, c'est celle-là, ouais. Putain, j'avais oublié. Là, allez, cowboy. On va aller charger le fumier. Ils me font faire que les travaux de merde. Pas possible, ça. Les mecs, ils préfèrent se taper les labours et cultiver des chômeurs. Oui. Que de se taper les petits trucs comme ça. Là. Bravo. Rokowi. Rokowi qui dit en plus. Rokowi. Putain. À choisir. Ah oui. Il faut bien que tu montes l'animation en live. Hein. Mon dieu. C'est nouveau, ça. C'est... Il faut montrer, ça. C'est nouveau. Le labour. Oui. Je comprends bien. De chômage, c'est pareil. Et sur la crew farm, vous ne pas le faire non plus, quoi. C'est ça. Exactement. Ah, je comprends. Bande de feignants. On te le laissera. Bande de feignants. Feignants de la commune. Ouais. Elle a du vécu la brouette. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes elle qu'elle a un vécu. Elle sort de l'usine celle-là. Elle sort du magasin. Ouais. Ah j'ai pas le litrage. Oh, je t'en mets pas beaucoup. Ouais. J'ai pas le litrage des bottes. Si peut-être que si tu le prends à la main et que tu sors, tu vas avoir le litrage. C'est pas, on verra. Je vais mettre devant la maison. Putain. Oh putain, elle fait une omelette. Chef, a rien vu. Et pas la maman. Hop là. 50 unités. T'as combien de litres? 50 unités, il y a marqué. 50 unités d'œufs. Bah, comment te dire que je suis pressé d'avoir le poulailler, le gros. On va pas chier loin avec ça. Ah bah carrément pas. Hein. Les œufs battus, c'est ça. Les œufs battus. Les œufs brouillés. Est-ce qu'on se débarrasserait pas du jardin et de ça là, par hasard? On le garde pour le fun, pour le commu. Ouais, il y en a bien qui va venir le faire sur le commu, tu sais. Ouais, mais ça va être souvent oublié. Bah, ça sera souvent oublié, mais après ça produit pas non plus 50 000 euros. Hein. Prends le vélo. Non, il faut pas oublier d'alimenter en nourriture et en eau. Oui, bah après ça, la nourriture et eau, je pense que ça sera pas oublié. Ça. Bien. Bah. Nourriture et où je pense pas que ça soit oublié, c'est pas ça qui va être sûr. Allez, zou. Ah, bicyclette. On va charger les œufs là-dedans, on va aller les vendre. J'ai pas de tracteur, c'est faux de pas avoir tracteur. Il y a des tracteurs et puis il y a même des missions que tu peux aller faire si tu veux. T'as avancé le temps? Non, mais il a validé les missions. Ah bah vas-y alors, prends un truc qu'on peut bosser à deux dessus. Moi j'ai des œufs à vendre. J'ai la ponte du matin à vendre. Oh, les œufs c'est important. Je pense que ça va rapporter quelques unités. Hey, ça payera le pain pour midi pour qu'on mange à table. Midi? Ah, il est 9h. Oui. Tu ramèneras les croissants aussi pour 10h. Oui. Ouais. Au pire, je passerai voir la boulangère. Je ramènerai ça. C'est des croissants, pas des pains au lait. Arrête avec tes pains merde là. Ça va être un débat encore infinissable. J'ai une chocolatine. J'ai une chocolatine. La ferme. Oui, on a la ferme. Les œufs. Épicerie. Il faut que j'aille juste. Ah non, taverne. Ah bah on va aller à la taverne. Oh ouais, nickel. Allez hop. Ça va être impeccable. Putain, redonne-moi le marqueur là, s'il te plaît. Hop là, voilà. Elle est où la taverne? Elle est là-bas. Allez, c'est parti en vélo. Putain, attention à la barrière. Attention, on transporte des œufs, hein, c'est fragile. Oh, ça se manie comme de la merde. Wouhou! Il aurait fallu qu'on attende 2022 farming pour devoir faire du vélo. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Eh, hey, je suis à fond, hein. 40 km/h mon gars, ça rigole pas. Tu vas plus vite qu'un chauffeur. T'as vu? Ouais. Chauffeur, tu vas à 20 à l'heure. Ah, c'est un vélo électrique en fait, ok d'accord. Non, c'est un vélo qui pédale, sauf que le gars il pédale pas tout le temps, tu vois. Il pédale que pour accélérer. Et après il pédale plus, tu vois. Quand il arrive à fond, il pédale plus. Regarde, il y a 3 pédales sur le vélo. Ouais. Elle va couper par les champs. Le 21, t'es sérieux? Je vais me taper le 21 ou des chômeurs. Ouais, c'est toi qui l'as cherché là. Ouais.
Là, je sais pas, un cycliste du dimanche, je suis ah non, c'est Richard Virenque, mon gars, maillot jaune, triple champion du monde. T'es parti balader en plus. Non ? Oh oui. Ah non, foutez-moi la paix. Balade pas là, je suis en vélo. Et si je te pousse ? Tu pousses rien du tout. Ça va là ? Il va casser les œufs. T'es à 40 à l'heure avec son vélo. Oui, je suis à 40 à l'heure avec mon vélo, alors ? Dans les chemins, mon 42. Gars. À fond. J'arrive. Je suis à fond. Moi aussi. Je suis à fond. Marc, si t'es là, t'en fais rien. Ça y est, je vois un point. Non. Sassin, pas me foutre la paix avec mon vélo. Non. Putain, oh, ce virage à 90, mon gars. Frein à main. Hop là. La taverne, elle est là-haut, là. On va aller boire un coup. T'es sûr. Taverne d'Ali Baba. Et les 40 voleurs. Là, c'est les 40 œufs. Là. Les 150. 150 œufs, les gars. Fais gaffe, t'as attention. Crevé. Prédiction. Ouais. Prédiction. Ah oui, la prédiction, ouais. Combien je vais vendre 159? Ah, on va rigoler. Je sais même pas si ça vous... Si ça vous dit, est-ce qu'on fait la prédiction? Imagine. Est-ce qu'on fait la prédiction comme d'habitude? À l'euro près? Au centime ou à l'euro près? Non, euro, t'auras pas de centime. Ah, lui, il a pris une mission de labourage. Non. À 6000 balles. Bah ouais. Au prédit. Et moi, j'ai pris une mission de déchômage. prédisposition. Déjà il est pas 10h, donc déjà la taverne est fermée. On va faire la petite prédit. Comment c'est la prédiction? 10h. Attends, j'avance jusqu'à 10h. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Déjà estime-moi un prix des œufs là, s'il te plaît. Il faudra prendre la récolte du champ 1, la betterave sucrière. Ils sont où les œufs? C'est nouveau ça? Tu vas à la taverne? Oui, il est à la taverne justement. Ah bah j'ai mon clavier qui déconne. Ça c'est une bonne nouvelle ça. Tu sais quoi ce bordel? On vend pour... Bon désolé, je peux pas vous mettre le point d'interrogation. Plus ou moins de 50 euros de revenus. 50? 53. Ouais. Ah, voilà. Il est un peu plus précis que moi, mais... Alors on vend pour... Plus de 53. Moins de 53. Attention. Hop. Puis là, si ça tombe sur 53, on n'est pas dans la merde. 30 secondes de prédiction. Let's go, c'est parti. 522. Ah non, il y a 150 litres, ça va être un rack pour 522. Attention, elle va durer que 30 secondes la prédiction, elle va pas traîner. Allez, je suis en vélo, les enfants. Je peux toujours pas les faire, les prédits, donc. Non. Tu devrais mettre Anto en modérateur pour faire les prédictions. Bah, à un moment, il voulait, mais. Ouais, il a pas eu le courage. On oublie à chaque fois que ce soit lui ou moi. Ah, mais je suis passé en QWERTY sur mon clavier. Pourquoi je suis passé en QWERTY sur mon clavier? Tu nous écris quoi comme merde là sur le chat du jeu? Non, je regardais pourquoi mon clavier il déconne. Ah putain, je sais. Je sais pourquoi. Ah, c'est mieux. Ah, oui, c'est mieux. Bah, tu me mets 10h, la prédit est posée. Let's go. Non, tu veux pas, t'as pas envie. Faire moi-même. Je chaufferai, hein. Là. Attention. Plus ou moins de 53. Ben c'était 52. Avec 1 euro de score environnemental. Et on a eu de la chance, hein. Wow. On a eu de la chance, mon gars. Non, bah c'était calculé. Gérer la prédiction. Moi j'avais dit 50. Ça paye un truc de ouf. Oh, il y en a qui vont perdre des points de chaîne. Oh, il y en a qui vont perdre des points de chaîne. J'ai trollé, mais de ouf. 52. Désolé. Vous êtes le maillon faible, vous avez perdu de l'argent. RIP mes 1100, ah ouais. Ah, nous on est au café.
Comment ils vont bien les enfants? Est-ce que c'est la fin? On est au café pendant que les gars bossent. Ah, parce que malheureusement, on n'a pas grand chose à faire. Pas d'argent à gagner. D'ailleurs, c'est pas l'heure d'un café là? Non? T'as fini ton chocolat au moins? Oui, ça fait un moment. Bon, allez hop, on va reprendre le vélo, on va arrêter les conneries. On va rentrer à la maison. J'ai tout misé, mes 25 heures. Ah ouais, là t'as merdé, chef. J'avais misé 60 points, j'ai une enveloppe qui vient de tomber. Ah bien, bravo. Il te reste un litre. Je sais pas. Oui. Ouais, c'est vrai, il me reste un litre. C'est même pas un litre, c'est un. Ouais, c'est un. Il reste un œuf quelque part. Je sais pas où. Il y a plus de caisse. Et dans la poche. Entre le plateau et la caisse. Et dans la poche. Et il est parti. Il est parti. Il est parti l'œuf. Il y en a qui sont ramassés beaucoup de points. C'est trop l'heure quand même, cette histoire de vélo. Mon dieu! Sinon, vous avez compris la zone de compostage à l'extension de la ferme? On n'en est pas là, mon porc. On n'est pas encore là, mon porc. On n'a pas rushé, hein. On n'a pas avancé des masses, hein. Les gars, ils bossent pas. Est-ce qu'on vendrait pas le coucou, là? Quel coucou? Le vélo? Le tracteur avec la benne devant, là. Merci, Anthony, pour le café. Ah, la vieillerie, là. Lequel? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Le feint à l'envers. Non, non, tu me le laisses, celui-là. Pour la paix. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, avoir besoin? Aller chercher les sacs d'engrais pour mettre aussi les cagettes pour aller vendre, en avoir besoin pour curer le fumier, pour transporter le fumier et tout. Et dis, fais pas le con. Fais pas le con. Oh putain, le vélo! Oh putain! Oh vélo! Mon dieu! Arrête de gueuler. Et vous en êtes où là dans vos émissions de merde là, les enfants là? Moi je suis à 56%. S'il fallait me le dire, hein, sinon je serais pas venu. Hein. Je suis à 10% du 21. Je suis resté à la maison, moi. Ah, si c'est que ça, tu le dis, on s'en va. Promener en vélo. Ouais, perso, je sais pas si ça change en compost ou pas. Même en avançant dans les mois, j'ai laissé tomber. Alors, avec le compost, en fait, ça fait pareil que du fumier de base. Ça doit pas changer énormément. Ça doit même pas changer du tout. Peut-être que c'est juste le ratio fumier, transformation de fumier compost qui doit changer. La quantité de compost. Sinon, ta valeur nutritive entre guillemets de compost doit être la même que le fumier. Ça doit rien changer en fait. Normalement. À part s'ils ont réussi à le modeler, à le scripter. Ce qui m'étonnerait fort. Salut Mick. Salut. On se promène à vélo. À bicyclette. Il y en a qui pourraient rigoler à me voir me promener en vélo. Tu peux faire le tour de la map avec ton vélo. Tu crois qu'il fait quoi depuis tout à l'heure? Je rentre à la maison là, mauvaise lande. Allez. Pédale vite, pas trop donc. T'as vu 40 km/h. Je suis un sportif. Pédale sur le vélo. Tu peux remettre combien de trucs sur ta remorque là? Je sais pas, t'auras qu'à essayer, le prochain coup que te chargera au lieu de te foutre de ma gueule. peut-être qu'au jardin ça passerait les cagettes, hein, pour les amener à la remorque. Oui. Bah, à la remorque, oui. Et le. Tu peux en charger 4, 5, peut-être. Si t'as envie d'aller les vendre au vélo, ouais, c'est trop. C'est toi qui vois. T'as envie, y'a pas de problème. Moi personnellement, j'ai pas trop envie. T'aurais pu le faire. Ah non. Non, 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 non. Fous-moi la paix. Oh, ça rame. Oh, j'arrive pas à machiner. C'est quoi ce bordel? Ah, mais la porte! Voilà. Mais les portes pour pas que les poules elles sautent quand même. Voilà. C'est puissant dans le bordel là. C'est puissant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous êtes parti sur pas, c'est puissant. Oh là 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 là. Les mecs, c'est des grands malades. Ah oui, du coup, oui, bah oui, bah sûr. Bah oui. Et ouais, je fais comment maintenant? Ah, je fais la récolte, c'est ça? Ouais. Champ 1. En plus, tu voulais une mission où on va aller bosser à deux. À plusieurs, ouais, donc c'est impeccable ça. Champ 1. Tu sais que je vois pas le champ 1. Ah, si, il est en dessous. Putain, il est quand même grand. Hein. Oh, le jeu en face de moi, ouais, il est assez grand quand même. Betterave, hein. Vous faites de la betterave, hein. T'es sûr? Bah allez, comme ça on ira tous tacler un peu dans Mais le allez, qui dit? Il fait 2 hectares 79, quoi.
Bah, si tu veux, je te laisse le déchômeur et tu me. Ton déchômeur, tu te démerdes. T'avais qu'à prendre celui qui était proposé avec. T'es amusé avec un 4 mètres. Vas-y, hein. T'es un suicidaire. Ah, toi, t'es suicidaire de prendre les betteraves. Ah, j'ai rien à foutre. C'est ça ou. Bah, sinon, je vais faire du call of. Je reviens quand vous avez fini l'émission, les gars. Bon, ah. Bah, c'est ici que s'arrête le stream. Allez, on va partir au betterave. Let's go du betterave. Parti. Ouais, ça va la roupa. Vraiment, c'est pas le petit Fent, il est un peu juste pour la faucheuse quand même. J'ai un JCB si tu veux. Là. Pourquoi t'as pas pris le massé? Quoi? Le massé, c'est le deuxième plus puissant après le JD que j'ai. Oui, il faut la même puissance. Laisse-moi passer, toi. Voilà, merci. Yeah! Merci pour le follow, Mathias. Merci. Alors, on va déplier la bestiole parce que le temps qu'on la déplie, comment te dire que ça sera presque arrivé, normalement. Tourne à gauche. Hop là! Par contre, va falloir tourner avec les remorques parce que là, ma remorque que je vais avoir, elle est pas assez grande. Peut-être qu'au magasin. Il y en a une chez nous à la ferme qui est pas mal. Bah, j'espère, hein, parce que celle-là, ça va être chaud. Attends, je vais te l'amener. Une flégule. Une flégule. Ouais, avec le fond, le plat. Si, une flégule. La flégule bien. Je te la ramène au champ. Enculé, le champ, comment il est grand. Mais non. Oh là là. T'inquiète pas. Oh là là. Oh là là. Voilà, on est mort. Quelle heure? 22h. Ah bah, on est mort. Putain. J'aurais préféré faire du bois. Non. Non, l'erreur fatale du joueur français. Au secours. Go pour 2 heures de récolte. Ouais, alors non, ça, j'y crois pas. 2 heures, je pense pas. Ah, je sais pas. Putain, elle roule qu'à 10 celle-là. Ah merde, je suis trop habitué à la Overman. Pas Overman, la Crew Farm. Les récolteuses, elles ramassent à 14. Putain. Ah, j'ai envie de crever. Ça y est. J'aurai le temps de te faire un café. Ouais, ça y est, j'ai déjà un chocolat. Oh putain. Eh ben, on va discuter, les enfants. Alors, comment ça va, les gars? Comment ça se passe bien? Si vous avez des questions, c'est le moment, parce que je crois que les betteraves vont durer un petit moment. T'as pris le JCB, Anto? Ça va, ça me manque pas. Hein. Ouais, tu m'étonnes. D'accord avec toi, avec Dark. Avec toi, avec Dark. Salut, Chad. Salut, salut. En plus, je me brûle. Eh bien, bravo. Ça c'est fait, bravo. Bravo. Il va me falloir une remorque, les gars, je suis déjà à 25%, oubliez pas qu'il y a la capacité des remorques. Vous allez tourner la remorque. Hein, au bord du champ. Non, tu me la mets pas au bord du champ, tu viens avec moi et t'en fais. Je crois que je vais commencer à courir autour du champ, là. Je ferai même pas un tour du champ complet. Bah alors là, t'es arrivé. Là, t'es arrivé. Elle est au bord, là, derrière. Non. En plus, c'est la remorque de la ferme. Non. Oh putain, j'en oublie. Pas grave, ça se verra pas. Mais t'as pas le bénéfice. En vrai, ça, c'est trop satisfaisant et fun de récolter la betterave. Bah écoute, je t'embauche, Agriff. Y'a pas de problème. Viens. Viens, tu vas voir comment c'est satisfaisant. Ramasser des betteraves. La grosse betterave. Ah, en plus, y'a le guidon en steering, ouais. Bien vu. Y'a qui s'est servir du GPS, là? Anto, il s'en sert très bien. Anto! Mais il doit être absent là. Ouais, comme par hasard. Ah merde, j'ai pas démuté. Ouais, mon cli, ouais. C'est pour? Le guidon en installing. Viens, viens, oui. Viens dans la betteraveuse. Viens le faire.
Ouais, quand j'aurai fini mon herbe. Quand t'as fini ton herbe ? Ouais. Faut charge. Faut charge de quoi ? Du 3 à nous ? Ouais. Ouais. Oh, bah tu piques mon boulot ! Putain, si on avait du fauchage, pourquoi je me fais chier au betterave là ? Tu m'expliques là ? Parce que j'étais déjà dessus. T'es méchant lui. Les gars, ils sautent dessus comme putain, je vais être dans la merde, donc je vais jamais faire un tour. Obligé. Ouais, on choisit le taf, hein. Écoute. Je vais mettre un ouvrier dans pas longtemps, j'en suis sûr, mon frère. C'est Alt C, contrôle. Là, je sais pas, moi, je connais rien. J'aurais voulu que tu regardes en fait. Appuie sur Alt C. C'est contrôle S. T'es con. Non, ça marche pas. Non, mais je sais très bien pourquoi il veut que j'y aille. Alt C, Alt S, je l'ai fait, ça allumait des voyants, non, mais ça marche pas. Contrôle S. Contrôle S. Ça va t'ouvrir le menu. Le menu. Auto, aligné sur l'angle, oui, version. Non, tu l'alignes pas sur l'angle. Attends, je vais arriver où ? Prends pas de temps. Pourquoi pas le course play ? Ah bah c'est vrai que le course play ça aurait été intéressant. Mais... J'espère qu'on aura au moins durable là-dedans, histoire de dire que ça nous sert à quelque chose à un moment donné. Coupe le champ en deux. Ouais, non. Non, je suis pas pressé de couper le champ en deux. Et après, pour le... Si tu veux, je finis le champ d'herbe, après je viens rouler la machine, toi tu roules les bennes. Vas-y. Parce que là, j'ai déjà une benne qui va me blinder. J'ai 22 000, on a même pas des remorques qui font 22 000. Celle qu'on a, il fait 29. Ils sont gros comme une maison, on va être blindé. Enfin, 29 avec handicap. Ouais, j'ai fait un détourage en 15 minutes. Pas du champ. Viens. Un tour. Plus que 3998 tours. Mais non, plus que 9. C'était marqué 10%. Et 10%. Ouais. Ouais, alors entre ce qu'ils marquent et ce qu'ils disent. Hein, mais... Ouais, mais bon, si tu veux gagner des sous, il faut faire tout le champ. Quoi ? C'est quoi cette arnaque ? Pourquoi ça vide pas là ? Y'a un bug, chef ! C'est pété, je peux pas vider. Bah, et c'est l'autre ben, ça c'est la nôtre. Ah, oh, mais ça tourne, mais ça vide pas. Par rapport au bras, lève-le au maximum ou tu le baisses un peu ? En plus, il faut jouer avec le bras. Ah, putain, j'y crois pas. J'y crois pas qu'on va se faire emmerder avec une. Bah, moi, si elle a d'un sens, hein, tant mieux. Hein. Au revoir. Hein. Ça marche pas, au revoir. Hein. Allô, chef, le karma est avec moi. Je vous laisse essayer de la faire fonctionner, comment vous dire. Tu vois, même le bon Dieu, il est gentil avec moi, tu sais, il fait bugger, t'es. Direct. Descends le bout du tapis. Tu sais quoi, tiens, regarde. Le descends. Petit bout. Descends complet. Vas-y, amuse-toi. T'es trop près de la benne. Non, mais les mecs, ils sont professionnels, moi j'y suis pas. Moi, je sais pas jouer. Moi. Vas-y, joue. Ça va l'arranger que c'est pété. C'est pas pété en fait. Ah, salaud. C'est juste lui qui pète la machine. Salaud, ça décharge. J'aurais jamais dû rentrer dedans. Je suis dégoûté, j'aurais dû rester au sol, j'ai pas voulu. Je voulais pas insister, putain. Ah non, ça décharge pas en entier. Bah oui, t'as la limite de remplissage. Oh, déjà dans le MF là. Non. Voilà, vas-y. Attends, je vais te toucher ça. Mais non, 17 000, mais non, elle est pas en limite. Elle est pas pleine. Non, c'est que c'est bugué. Non, limite de poids. Non, limite de remplissage, elle est pas. Non, c'est pas. Mais limite de poids, t'arrêtes. Oui, j'ai de la marge encore, regarde, tu vois. C'est bon, j'ai trouvé l'inclinaison. Oui, je viens d'enlever la limite de poids. Oh, il est chiant, lui. Fallait pas. La limite de remplissage, tu veux dire. Ouais. Ouais, voilà, tiens. Allez, karma. Let's go. On va s'amuser, tu sais. Et tu sais comment on dit chez nous ? Chien. Ouais, chien. Tu vas aller le faire, chien.
Non, je sais, pas cher. M'en fous, cher, comme la musique. Ça bouge pas, regarde. Non, c'est la chanteuse. Anto ? Oui, c'est pourquoi ? T'as une machine qui t'attend, récolteuse. Je vais m'occuper de... Remets la masse devant, elle est au plein milieu du champ, là, derrière toi. Je vais m'occuper de ramasser l'herbe. Il s'en tape, t'écoute pas, hein, il s'en tape. Lui. Non mais il s'en tape de tout, on a remarqué. Heureusement. Heureusement. Je suis sûr qu'il a mis l'ouvrier. Non. Y'a personne plutôt. Non, y'a personne. Pas mis d'ouvrier. J'ai mis le régulateur, et vu que je me suis tiré, normalement la machine s'est éteinte. Voilà. Il va y avoir sûrement un esclave. C'est mieux que l'ouvrier. Bon, allez, c'est bon. Parce que là, tu vois. Tu vois, hein. Voilà, ça, il n'y aura plus d'esclave. Mais non. Là, regarde. La faucheuse, elle a continué à avancer toute seule. Tac. Voilà. Au revoir, l'esclave. C'était un abandon du joueur français. C'est ça. C'était un abandon du joueur français, on va dire ça comme ça. Non, mais si c'est pour courir après la benne, après le machin, un coup de sa vie, d'un coup ça vide pas. C'est bon, on va pas se faire chier. Oui, oui. Il y a bien d'autres trucs à pour. Si t'as pas envie de le faire, on sera allé le faire, d'accord. Tu seras allé le faire? Bah, bien sûr que je serai allé. Tu seras allé le faire quand? La semaine prochaine? Le mois d'après? Je finissais mon champ d'herbe et que j'y allais. Non, y'a personne qui avait envie là. C'est fini, trop tard. Ouais, ah. Dire tout de suite. Faut vendre le taux d'Ifen à Ben. Quoi? Il cherche la merde. Il cherche la merde. Là, t'es bien là. Voilà. Quatre pattes en l'air. On va chercher la Ben qui est dans le champ là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On le met au séchoir lui direct? Bah oui. Faut faire du foin direct. T'as pas d'endener? Non. Oh là là. En plus, il m'a piqué mon fen, tu sais. Oh là là, on a pas d'endener. Ouais, le tracteur Colt, là, il est pas plus puissant. De quoi le Ford? Ouais. Ah non, il est tout petit, le fen. C'est à New Holland. Y a déjà un tracteur accroché à la benne là-bas. Y a le MF, ouais, qui est accroché à la benne. Ouais, et en plus, y a des patates dedans. Des betteraves? Ouais, des betteraves. Eh ben, ça sera un plus à gagner. Ah, mais on a payé 4000, hein. On les a payés, ouais. Mais, ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut pas acheter un endénard, là, pour aller plus vite, là? Non. On n'a pas. On n'a pas les sous. Y'a pas. Y'a pas les lots. Y'a pas les lots, y'a pas les lots. Y'a pas les y'a une zone Walizy, là, qui est pas chère. Ouais, mais financièrement, on a autre chose à penser. Il faudrait idéalement qu'on se pète une charrue pour faire les missions de charrue. Ouais, je comprends, mais là, c'est un investissement de taille qui pourrait être utile. Mais on regardera s'il y en a dans les occasions qui popera. Endener. Ça va, on a 115 000 de marge. Enfin, on a 105 000 de marge. Regardez quand même, tu sais, tu vas pas me dire qu'un endener à 20 000, ça te fait un trou. C'est bon, faut bosser hein, à un moment donné, hein. C'est bien beau de vivre avec 3 cailloux et un patelin, hein. Il faut de l'investissement là. J'allais pas me péter mes habitudes. Non mais oh, le sagouin. Fait chier parce que j'aurais bien voulu qu'on achète le classe, mais... Non, le classe est trop cher. Le Samaz et puis le Samaz on le vendra. Ouais, on va prendre oui. Le Samaz. Par contre, remets-moi dessous. Mais j'ai mis, mais... Salut VG, salut Gélu. Allez, va chercher le Samaz. J'y vais comme tu veux. Et c'est bon, vas-y, je suis déjà parti. Déjà parti, ok, je vais attendre. Attendre gentiment. Et on le balance dans le séchoir du coup? Directement, comme ça on fait du foin. Là, attends, de toute façon, là il va falloir qu'on gagne des sous, c'est sûr. Là, faut qu'on regarde un truc, parce que là on gagnera pas de thunes sur l'hiver. C'est sûr et certain, là on va être dans la merde. Là, va falloir de l'argent, donc il va falloir des moutons. Qu'on fait du foin. Enfin, on fait de l'herbe. On peut transformer au foin avec le sécheur. Je pense qu'on va faire des moutons. Ouais, mais il faudrait déjà qu'on ait du foin. De toute façon, les moutons, tu peux leur donner directement de l'herbe. Pourquoi tu t'emmerdes à faire du foin?
On peut leur donner directement de l'herbe. Et j'ai un séchoir à... J'ai un séchoir à... Mais un séchoir à foin, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Oui, non mais qu'est-ce que... Non mais il a séchoir à foin. Oui mais on s'en tape de ton séchoir à foin. Si tu veux lui mettre de l'herbe, tu mets de l'herbe, je m'en fous royal, mais il y a un séchoir à foin. Ouais, pour sécher le foin. Bah il veut sécher du foin. Putain mais ils sont où les moutons? Tu veux sécher du foin? J'ai perdu mon... D'accord. Non, je veux pas... Bah non, on a pas de faneuse. Que je vais pas sécher du foin. Ils sont où les moutons? Ils sont où les moutes-moutes? Les moutes-moutes? Les moutes-moutes. C'est les balles. Écurie. Ok. Je crois qu'ils étaient dans le coin, les moutes. Pas les moutons? Salié, d'accord. Ça, c'est les embouteillages. Oh merde, on a pas de moutons sur la carte? Non. Il y a un mouton quand même, quelque part. On a des poules. Non, on va acheter des poules, hein. Bah, quoique l'élevage, il va nous coûter une blinde. Oh putain, ouais. Non, non. Il y avait pas de moutons sur la carte, alors. On est sûr et certain qu'il y avait pas de moutons. Ils sont frais. Nous attend que tu viennes pour nous péter le crédit et refaire des sous. C'était la bonne époque, ouais, tu m'étonnes. Ah, ça tombe bien, on va la mettre sur... On va la mettre sur communautaire, celle-là, ça te rappellera des souvenirs. J'ai les chevaux. Et d'accord. J'ai les cochons, ils sont là. Ok, les chevaux sont là, il y a les box. Les chevaux, c'est les box des chevaux. Ah, d'accord. Putain, ils sont où les moutons? Y a pas un box dans l'extension? Pas de l'autre côté, hein. De l'autre côté, ouais. Si, avec les chèvres, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Je crois qu'ils sont là. Pas ici, non. Ici, je crois qu'ils sont là. Voilà, ils copient les chèvres. Ah ouais. Pas pareil. Fallait pas trop vite, mais pas pareil. Ouais, ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ouais. Wow, faut acheter le. Faut acheter le terrain. Merde. Putain, il va coûter une fortune. Oh, 47 000 le chambre. Oh. Je sais pas, on les a encore. Hein. Ouais, je sais qu'on les a, mais on a pu avoir grand chose pour acheter des moutons, quoi. Mais sinon, on a les chevaux là dans la ferme. Oui, bah tiens, bah oui, bien sûr, il est fou. Les chevaux, ça rapporte. Est-ce qu'on a de quoi les nourrir, les chevaux, hein? Bah, les chevaux, ça te rapportera que dalle. Bah, si tu les mets à 100% de santé et que machin, il y a moyen de les. Ouais, mais le temps de les entraîner, machin, tatati, là, je voudrais un rendement fixe. Ah, oui, mais. Ça fait 47 000, ouais, d'accord. Ouais, par contre, elle ressemble en rien à Hofbermann de l'époque. Bah, si, en fait, ils ont juste modifié deux champs en haut. Sinon, le corps de ferme, c'est exactement les mêmes, mais t'as pas le système manure, quoi. Mais sinon, c'est la même carte. Hein. C'est exactement la même carte. Un peu plus paumé parce que le décor a changé, quoi. Mais sinon, enfin, ils ont remis au bout du neuf, mais sinon, non, ça reste identique, quoi. Pas trop chiant. T'as qu'à ramasser, hein, si tu veux. Ouais, deux secondes. En train de voir les conneries que je suis en train de faire. En plus, on a la bétaïa pour les moutons. T'as plus qu'à aller les chercher. Ah, elles sont pas chères. Et toi, t'as plus qu'à fermer ta gueule. Les brebis produisent de la laine. Et d'accord. Chevreaux. Qu'est-ce qu'on prend? Le lait, ça rapporte combien? Le lait de chèvre, le problème c'est qu'il faudrait la fabrique, je crois qu'on l'a pas, si. Si, on l'a automatiquement dans le barman, je crois. On a la cuve, là, justement. La fabrique de lait, fromage, barrette à beurre, c'est ça, fromage de chèvre. Lait de chèvre. Bah, ça va faire du fromage de chèvre. Avec le lait de chèvre. Ouais. Bah, si t'es chaud. Et le lait, c'est le fromage, d'accord. Putain, ça, des vaches, fort, terme. Putain, il en faut 300 en plus. Ah ouais, 300 quoi. Ouais, je vais faire un petit trou dans les colomies. Pourquoi ça pousse pas? Bah, on va faire comme ça, on verra.
crois que ça, ça peut être pas dégueulasse du tout. On va regarder si les agneaux, je vais pas en prendre beaucoup. Je veux juste regarder si les agneaux, quand ils deviennent grands, c'est, ça peut devenir quoi en possibilité. Là, normalement, on a déjà... Voilà, on a du foin. On a 40 balles de foin en plus. Ouais. Okay. Il n'y a plus d'espace de stockage pour ce... what? Et si, moi, j'en vois 40. Pourquoi je peux pas les... Toi, t'es 40 sur 40, t'es plein. Non, c'est bien celui-là. Il veut peut-être l'emprunter pour les vider. Ah ouais, je voulais en prendre. Enfin, 0 sur 0. J'ai 40 sur 40. J'en fais quoi des betteraves? Déstocker. Regarde où c'est betteraves, le meilleur je sais pas. Prix et puis tu les vends. Ah ouais, putain, on va aller chercher, on va aller faire la toute chargeuse. Faire ça comme ça. Ah putain, il m'a laissé la casserole là. Putain. Là, tu pouvais pas prendre une autre merde que le NH quoi. Même le MF, je l'aurais pleuré moins quoi. J'ai pris le seul putain truc qui est resté. Te jure. Et prends la casserole qui traîne au milieu de la cour là. Laquelle ouais. Vidée là. Non, le truc que t'aimes bien là, le feint à l'envers. Le feint à l'envers là, il sert à rien. Pour ouais, transporter. Il fait 115 chevaux. Ouais, mais tu regarderas, y a pas. Y a pas tout comme tu veux, tu sais. Tu dois t'écarter des ballots pour les déstocker. Tu dois t'écarter des ballots pour les déstocker, d'accord, ok. Ah bah attends, on va réessayer. On va réessayer, c'est possible. Déstocker. Ah oui, bien vu. GG. Du coup, y'en a un qui va partir. Hop. Y'en a un qui va partir au mouton vite def. Y'a une charge des avants sur le NH? Ah non, c'est que le JD. Oui, le flint aussi. Ouais. Et le massé aussi. Mais on n'a pas de pique à balle. Ouais, y'a que le NH qui le fait pas quoi. Putain. Je vous déteste en fait. Vous savez pas à quel point je peux vous détester là. Ah bon, à quel point? C'est pas grave, on a l'habitude. Mais non, mais tu me mets déjà une brouette bleue là. Tu sais quoi, je vais le vendre ce machin là. Je passe au magasin, je le vends. Ah, vends-le, achète ta bleue. Non, acheter ma citrouille. Ah, c'est pas la citrouille, c'est une pastèque, c'est ça. Pastèque. Tu voulais pas te prendre un Kubota? On a pas le DLC, tu. On a pas le DLC, c'est pour la croupe farm. Et oublie pas quand t'achètes la pastèque de vendre le. C'est la solide. Gna. Ça va, c'est bon. T'as fini, t'es content. Content de sa connerie, hein. Ça s'arrête jamais, ce mec. Ça s'arrête jamais. Bon, déjà, est-ce qu'on a une cuve à eau là? Hormis la petite cuve. Il y en a une dans un hangar, je sais pas où, la toute petite. La Joskin, non? Bon, on a la toute petite, ouais, de flotte là, mais tu veux pas remplir les moutons avec ça, tu sais. Crevé, là. Je vois bien le truc où il faut vraiment acheter une cuve à eau. Non, mais il y a la Josquin, je crois. Il y a la Josquin, normalement, oui. 8000 litres. Est-ce qu'elle prend bien l'eau au moins? Bah, elle va pas prendre l'huile. Non, elle prend le pétrole. Ouais, c'est pour ça. Elle prend le fuel lourd. Donner à manger aux animaux, c'est pas mal. Pour teindre les moutons après. Ça, il y aura des noirs aussi. Ouais, on se calme. Hop là. Du coup, je suis pas parti voir, mais ils ont peut-être un truc spécial dedans. Les chèvres. Herbe, foin, semence. Non, ouais, donc herbe, foin, ouais, n'importe. Okay. Et merci Seb pour le quatrième mois du Prime, merci beaucoup. Vends le Fent en tout, lol. Ouais, non, mais... Vendrais bien un tracteur. Quand t'auras les sous, t'auras bossé dessus. Salut, docteur. Là, docteur, tu tombes bien, je suis malade. Non, c'est pas grave. Allez, tu vas passer, c'est bon, c'est pas un poteau qui va t'arrêter. Allez, c'est. Du coup, je vais mettre ça, je sais pas si c'est le séchoir ou si. Non, c'est le stockage de foin. C'est pas le séchoir, je pense. Le stockage qui est là.
Ferme les portes. Non, ça veut pas fermer les portes. Voilà. Hop là, on va faire des manœuvres. Oh, c'est qui a vendu quoi? Bon, allez, Betrave. Vendu une mission. Les betteraves, t'as vendu? Ben oui. Ah, c'est les betteraves? Oui. Ah, t'aurais pu les stocker, les betteraves, chez nous, tiens. Non, on les vend. Non, bah si on a besoin, on fait comment? Chef, je dois pas être au bon endroit. Ah ouais, je suis pas. Si. Ce n'est point impossible. C'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne station, ça doit être la paille qui doit être là, tu sais. Le docteur en connerie peut dire que tu es malade. T'es tout à fait d'accord. Oh, bah, c'est le temps de trouver les types, ça. On aura trouvé les types de la carte. Hein. Fonctionner après, hein. Fonctionnera. Pardon. Ah. Voilà, c'est ici, tu vois. Pas compliqué. Hop là. Oh. Eh ben, on aura un peu d'herbe. Déjà, ça va être pas mal. Et ça, du coup, c'est le séchoir ou c'est pas le séchoir? Non, c'est pas le séchoir. Ah si, c'est le séchoir. Là, t'actives le séchoir. Ok. Ok. Allô, Houston. C'est géré. On a un problème. Transforme à foin. Hein. Cache du foin. Et c'est chargé. On a une presse. Ça peut être pas mal. Oui, on en avait acheté une d'occasion. Ça peut être sympa, ça. La ronde. J'aime bien le truc. Mmh. À tes souhaits, merci, Fab. Merci. Oui, on avait une presse ronde, ouais. Ah, tu vas pas faire des balles. Une cune. Si, tu vas faire des balles. Non, non. On a des balles, pas de on a déjà un paquet. Hein. Puis ouais, on a pas de pique à balles, mais bon, après le pique à balles à 1000 euros, c'est pas ça non plus. C'est vrai. Hop là. Pour donner de l'eau aux vaches, aux moutons. On va pas oublier. On va d'avancer le temps. Et c'est parti. Ben voilà, c'est parti, enfin, ça y est, on ramasse notre champ d'herbe. C'est pas mal, c'est pas dégueulasse. J'ai failli attendre. Hein. J'ai failli n'attendre. Au pays de mon enfance. On se met une petite clope, au passage. Hop. Bah ouais, il faudrait que je fasse un hall mode à Cali. La mettre sur sur le communautaire. Qu'on ouvre. J'ouvrirai peut-être ce week-end. J'ouvrirai peut-être dimanche. Je sais pas. Je sais pas quelle date on peut ouvrir. Sinon, je l'ouvrirai dans le week-end sans qu'on soit là pour surveiller. S'il y a un dégât qui peut être là. On va dire, je l'ouvrirai sans que. Sans qu'on soit forcément en live. Mais ça, les gars, ils auront le temps d'avancer un peu l'émission s'ils ont envie de se faire des missions et tout ça. Ouais, comme ça, on aura des tracteurs pour tout le monde. Comme ça, au moment du live, c'est toujours un peu plus. Un peu plus de monde pendant les lives. C'est con, c'est qu'on peut pas mettre le multimission sur la carte. Faudrait que je réessaye. C'est dommage. Je vais réessayer, mais j'y crois pas. Peut-être qu'il y a un patch, il faut que je regarde s'il n'y a pas une autre version. Sinon, tu mets la cour. Ah, Lambella est parti. Au revoir, oui, Lambella. Je mets quoi? Ouais, Lambella. Je mets quoi? La Corona. La Coronella, pourquoi tu veux que je remette la Coronella? Eh, la Coronella, c'est fini. C'est fini. Du jeu là c'était pas faire. Bonne soirée Lambella. Ouais, bonne soirée. Du jeu là c'était pas de faire de la Coronella, c'était de faire. C'était de faire la Hofborman. Bah une petite ferme pas dégueulasse dedans. Oh mais faut que je le réessaye. J'ai peut-être une conne. Il y avait des modes qui rentraient en conflit au démarrage. Donc, faut que je resseille, faut que je retraille. A plus Lambella, merci du coup. Bon, allez, je te surveille du coin de l'œil, je vais faire un tour sur Call of.
Ouais, il faudrait que je vienne vendredi. Il faudrait vraiment que j'arrive à avoir un vendredi où je suis pas malade, où j'ai pas 70 de fièvre. J'arrive à venir bosser. Par contre, il y a un truc que je voulais éviter. On va couper ça, on sait que ça marche. Hop, on va le garder en herbe. Parce que, comment te dire que s'il y en a un qui veut faire de l'enrubané derrière, autant qu'on ait l'herbe en vrac. On sait jamais. Je suis sur Off Burman. Et sur la Off, la V1. On essaye de se dépatouiller du démarrage là. C'est pour ça qu'un petit tête de la commune, ce serait pas dégueulasse. Ça pourrait être pas mal. Ça vous referait. Ça fait longtemps qu'on a parmi une carte en commune. Ouais. Une nouvelle carte. Juste que je trouve quelqu'un qui veut bien son team. Il va donner les fils conducteurs, on va dire. Ça va être sympatoche. Faut les remplir jusqu'à là-haut. C'est quoi, faut les remplir jusqu'à là-haut? La flotte? La flotte. La flotte, regarde si t'as pas un point à peu près. Y'a pas un point à la ferme de flotte? T'as un point de flotte, non? Quoi? Y'a pas un point de flotte dans la ferme? Ah, c'est pas moi qui devais parler. Non, c'est pas moi qui parle. Si? J'ai perdu. Il m'a perdu! C'est la version finie ou pas? Bah c'est la version, oui, celle qui vient de sortir, la 1-1, là. Ils avaient repoussé de... ils avaient repoussé d'une semaine à cause de la mage Giant qui avait pété un peu la carte, quoi. Du coup, ouais, c'est la version finie. Bah oui, il y a un point d'eau. Après, ils sont toujours en train de travailler, c'est toujours la bêta, hein, entre guillemets. Hein. Oui. La dernière version de la bêta, en fait, si tu préfères. Ma vie. Et bon, j'ai jusqu'au lac au bout. Déjà, elle envoie du steak, hein. T'as des belles machines de prod. Déjà bien du steak. C'est pour ça que ça perturbe les gars, c'est qu'ils sont pas habitués à galérer autant. Tout là, le démarrage est vachement bien compliqué. T'es plein, chef. Salut, Bastevi. Comment tu vas? Merci pour le follow. Merci beaucoup. Hop là. À voir après comment on s'en sort. J'arrive à choper. Ouais. Ça sera le mieux, je pense. Faire comme ça. Ça, on se fera pas chier. Comme ça, ils pourront avancer le temps, les gars. Et au moins, ça se traînera pas sur cette carrière-là. Et tu vois, je peux switcher un peu. J'ai de le faire parce que là, il y a. C'était surtout pour nous traîner jusqu'au 15, parce que mardi, il y a la sortie du DLC Platinum. Donc après, on va rusher le Platinum. Que si on la met en communautaire, ça peut être assez sympa. Bon, je regarde tes vidéos, mais je suis jamais vu sur tes streams. Ah ouais, bah bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Ah tu vois, les vidéos, c'est bien, c'est cool. Mais les streams, c'est encore mieux. On peut interagir en direct. Si t'as des questions, n'hésite pas. On est là pour ça. Les poules, c'est tout en haut à droite de la carte. Poule d'abattage, on va en mettre 1000, je crois. Ah, tu veux quelle poule? Je parle de quelle coup? Les petites là, les grosses? Bah, y'en a un qui a dit là à côté des poules, il y a un robinet sur le mur de la maison. Ah, oui, oui, bah oui, oui, alors c'est oui, c'est là où tu es. C'est pour les poules? Non, c'est pas pour les poules, c'est pour. Merde, j'ai oublié de baisser le panier. Il y a de baisser le ramasseur, chef. Activer la machine. Je sais mieux si ça active. Oh, le NH. Ça va pas encore trop mal le NH pour un manuel, mais. C'est moyen quand même. Hein. C'est moyen. Trouve en toi où tu veux que je te montre. Bah, j'ai trouvé, mais bon, il y a un vélo qui traîne. Ah, bah ouais, voilà. Il y a ma bicyclette qui était en travers. Ah, bicyclette. Ça. Mon vélo. Il est foutu, elle va me rouler beaucoup moins bien. Ouais, personne ne parle. J'ai roulé dessus, alors effectivement, hein, ça va rouler moins bien. Un peu voilé. Je peux remplir la citerne avec citerne à eau avec le robinet.
Et là, avec le miam miam du coup qu'on a pour les moutons, je vais y arriver. Normalement, la production de laine va commencer à produire. Ce qui ne fera pas dégueulasse normalement pour le mois de décembre. C'est tout. On fera un petit billet au moins pour payer le crédit. Ou derrière, vous aurez quoi? Les jardins s'occuper, à vendre des produits en hiver. Et dire de gagner un peu d'argent. Et après, vous allez commencer à arracher du tracteur, du matos. Il a des compacteurs. Tracteur 9 les mètres. Mission. Ouais, 300 chevaux aussi dans la ferme. Ça pourrait être pas mal aussi, je pense. On regardera dans les occasions suivant le budget. C'est pas mal. Là, il faut de la main-d'œuvre sur cette carte. Putain. Il y a tellement à faire partout. Il y a le jardin, il y a les petites poules, il y a les grosses poules, il y a les moutons. Il va y avoir les vaches après. Il va y avoir du bordel à foie, c'est... On peut créer ses semences, on peut créer ses fourrages, et créer ses nourritures à cochons. Tellement de types à voir sur cette carte. Ouais, il faudrait la rocher un peu. Ouais, arriver à la rocher. Hop là. Du coup, il va y avoir le retour du salon commun. Hop là. Ça va être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va être. Bourville. Comment ça, bon? Ah, Bourville, oui. Mon vélo. Mon vélo. T'es pas un jeune, toi aussi. T'es pas un jeune. Trop top. Et là, on a perdu la moitié des jeunes. C'est la fin du monde. C'est la fin de l'exploitation. T'as connu Bourville? Bien sûr. Pas personnellement, mais... Ah. Moi, je lui ai essayé à la paluche, mais j'avais 3 mois. Non, c'est pas vrai, je rigole. Pour la blague. Non, le seul que j'ai connu en réel, c'est Gilou. Et... Musclé. Alors, soit je peux pas mettre d'eau dedans... Ah... Il est encore avec sa flotte, hein. Non, c'est le cornio. Ah ouais, c'est le cornio. Et c'est Bourville. Oui, c'est Bourville. C'est le cornio. Tu galères avec la flotte au tuyau d'arrosage. Ouais. Tu galères au tuyau d'arrosage, tu galères. Attends, je fais un aller-retour, j'arrive. Je repasse par la ferme, j'arrive. Ça marque comment c'est le remplissage, mais ça veut pas remplir. Ah, t'as pas assez de débit pour la citerne. Non, c'est la grande vadrouille, mes souliers, mon vélo. Quand il renverse, quand il coupe la deux chevaux en deux, là. Oh, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. Bah, c'est peut-être possible. Mon vélo, c'est grande vadrouille avec deux finesses. Ah ouais, c'est tout à fait possible. C'est carrément même, vous avez raison. C'est même sûr. La elle va marcher beaucoup, on va bien maintenant, hein. C'est le cornio. Ah, je croyais que c'était... Ah oui, non, putain, j'ai confondu, bien vu. Le planeur orange, il me semble. Ouais, bien vu les enfants, bien vu. Ça va. Vous suivez, nickel. Vous êtes réveillés dans le chat. C'est trop longtemps que je les ai pas vus. On mélange souvent les deux, ouais. Ouais. Pas une excuse, mais j'avoue. Tiens, Kali, tu tombes bien. Il y aurait possibilité de foutre la Bergman avec ses mods sur ton serveur. Histoire de dire qu'on le mette en communautaire. Avance. Il va me faire mal, lui. Anto. Ouais, le point d'eau, il est bien là. Ouais, c'est chelou. J'ai regardé, la cuve elle prend l'eau. Ah ouais, la cuve elle prend l'eau, oui, bien sûr que la cuve. C'est juste que je suis pas au bon endroit. C'est... Non, mais même avec la petite cuve, hein, ça marchait pas. Ah, y'a peut-être un problème de trigger là.
Peut-être un petit problème des triggers là. Bah essaye un autre point. Je t'ai refermé, tu feras gaffe, je t'ai refermé la bâche. Oh bah là, il faut jusque là. Faut lac. Essaye un autre point parce que c'est même si la petite cuve marche pas, ouais, ça pourrait être chiant. Je te ferai un all mode, Kali, que je t'enverrai ce soir. Enfin, un mode complet et puis Non, j'allais dire j'ai mis dans un des canaux, mais. Un des canaux. Mais non, tu l'as pas. Tu l'as. Je balancerai le all mode et puis t'auras plus qu'à recharger tout ça. Faut juste regarder si le multimission repasse et se remet pas en erreur dans les logs serveurs. Moi j'ai voulu mettre le multimission au démarrage et ça a déconné. Ça a planté. Mais il me manquait un mode aussi de la carte, donc c'est peut-être ça qui a fait planter. Du coup, j'ai désactivé le multimission, je l'ai pas remis. J'ai rajouté le mode qui me manquait. Ah, juste regarder ça. Et je pense que ça peut être. Ouais, ça patoche de l'avoir. En multi, pas besoin de bras pour des cagettes pour le jardin. Ça peut être sympatoche. Hop là. On va vendre le terrain, ça sera réglé. Hein. Bon, y'a pas. Y'a pas quoi que... Je trouve pas d'autres points d'eau. Ouais, y'en a plein des points d'eau. Ah bon? Bah tiens, fini, descend du. Descend du fent. de l'eau! De l'eau, s'il vous plaît! De l'eau. Alors, si je me rappelle bien, il y en a dans le deuxième. Attends, faut que je cherche. Kizo vient de passer devant le trigger d'eau dans la ferme. Il y en a un deuxième dans la ferme là, de trigger d'eau? Non, il y a celui du muret de la maison, mais là il a pas l'air de fonctionner. Près de l'atelier. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est celui-là là. C'est celui-là que tu parles. C'est celui-là là. Ah non, il fonctionne pas. J'arrive pas à charger. Sinon, t'en as un deuxième qui serait. Ah non, près de l'atelier. C'était de l'autre côté. Non. Il y a un près du portail. Il y a un puits près du portail. J'ai pas vu le puits. Moi. Ah, la sortie. Pas ici, à l'opposé de là. Là, j'ai un puits là. Je pense pas qu'il y ait de l'eau dedans. Attendez, reprendre le tracteur. Ouais, près de l'atelier. Ouais, je vais faire le tour. Regardez. Je vais regarder. Attends, parce que j'ai pas la carte. Pas encore la carte en tête. Surtout qu'il y a plein de petits bâtiments à la con. Il y a plein de petits trucs, petits tips. Que j'ai pas encore. Touk. Alors attends. Là, voilà. Essayez. Hop. Alors on va enlever. Commencer le remplissage. Bah non, ça marche pas. Essaye de descendre du tracteur et de remonter dedans, comme avec la repas. Ou la panthère plutôt. Non, ça marche pas. Ah merde! Pourquoi ça marche pas hein? Attends, j'ai bien la collision. J'ai bien la collision. Chelou. La Tanao. Ouais, mais je l'avais ouverte la Tanao. J'ai ouverte la ligne. Je suis pas fou, hein! Elle est ouverte! Ouverte la Tanao. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est la question. Ouais, je l'ai pas. Voyons en haut à gauche au-dessus de ma tête là. Tiens, attends, je remonte. Allez, à chaque fois que j'appuie sur R, ça le coupe automatiquement. En tout. Problème de cuve peut-être. Bah, pourtant, c'est la cuve du mode LSFM. Que... Normalement, ça devrait fonctionner. On n'a pas encore le système manuel, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Qu'on aurait un conflit de mode. C'est pas une pompe à mettre en route, ça, par hasard. En train de penser, là. Je vois l'arme de transmission. Elle autorise de l'eau? Ah, non. Je sais pas, là j'ai une remorque, elle existe même pas dans le.
Ouais, ouais, l'autorise tout. Non. La remarque que t'as pris, la citerne Adolis, elle est dans LSFM. Ouais, mais je l'ai pas sur les objets possédés. Si, si, elle est dans les côtés, dans les petites agris. Non, c'est pareil. Pareil, ça te fait la même chose. Alors pourquoi ça nous fait la même chose? Écoute. Il y a plus en litrage sur la citerne d'Olis. Ouais, c'est bien la SFM. C'est, hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors est-ce que c'est le serveur, le clic qui fait ça, qui fait le poney? Je sais pas du tout. T'es sur serveur, Majin, ou t'es en solo? Ouais, t'es en solo, ouais. C'est peut-être le serveur qui fait tourner, parce qu'on a quasiment pas de mode. On a rien en mode. On a le broyeur et la sous-soleuse, c'est tout ce qu'on a en mode. On a mis le extra léger, tu vois. Pour justement, pour pas dire qu'il y ait de conflit. Notre point d'eau. Peut-être un côté deuxième ferme, non? Dans la rivière ou un truc comme ça. Ouais, solo ça marche. Ouais, ouais, non, mais solo. Solo, ça m'étonne pas que ça marche. C'est souvent sur serveur qu'on a des problèmes. Essayer de voir là si ça devrait remplir. Mais... Non, ça prend pas le col. On va essayer d'aller au lac. Hein. Est-ce qu'on a une petite rivière ou un lac dans le coin là? est-ce qu'on a une rivière ou un lac dans le coin? Je peux pas ouvrir la carte. On n'a pas de lac. On a le lac là, mais là, lui, il est en colis. On va rentrer dedans. Ouais, il y a mieux à vie. D'accord. D'accord. Merde. Merde, merde, merde. Bah, sinon, faut faire spawner un point d'eau. Non, attends, t'as redémarrage serveur. Je sais pas. Je ne sais pas, parce que là, je vois pas d'autres points d'eau. Putain, on est toujours emmerdé par un truc. C'est possible qu'on peut pas avoir un truc gentil sans être emmerdé, que ça fonctionne de partout. Toujours un problème. Puis là, si on a pas de flotte, les moutons, ils servent à rien. Encore dépenser de l'argent à rien. C'est sûr. Il y a déjà un point d'eau sur la carte. Il y a un point d'eau sur la carte aussi. Ouais, mais le point d'eau, le lac que tu parles, c'est mort. Il est en collision, on peut pas y aller. Je crois que c'est le futur, c'est la pisciculture qui va arriver plus tard là-dedans. Point d'eau près de la maison. Ouais, bah oui. Je vais essayer le lac, le puits à côté. Et là, on va regarder si ça prend. Déjà, celui-là, il prend pas. Ok. S'il y en a un autre qui prend, ça serait celui-là. Il n'a pas l'air de vouloir prendre. Parce que je suis pas en face. Oh, je vais me faire chier pendant 2 heures. Et redresse, Michon. Ça change, non, j'ai l'impression que ça a changé à un moment donné. Il n'y a pas d'heure d'ouverture pour la flotte, il n'y a pas un truc spécifique à acheter, il n'y a pas, non, rien. Reteste le potager à vérifier. Ah, peut-être que, ouais, peut-être que la flotte a planté. Non, j'ai pas l'air d'avoir de code d'erreur. Y'en a un qui va au jardin, vite def là, qui teste le jardin, le seau d'eau là. Voir si ça prend. Si le seau prend, normalement les points d'eau devraient fonctionner. Le seau il remplit l'eau et des seaux ils sont. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, c'est bon. C'est bon, fonctionne. Y'a que le point là-bas qui fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Putain, ça fonctionnait pas tout à l'heure, mais là ça fonctionne. Pas vieux. Bah vieux.
Comment, pourquoi? J'ai pas compris vraiment pourquoi. On avait une double collision ou un truc comme ça, je sais pas. Mais bon, là ça a l'air de fonctionner. Déjà c'est pas mal, on va pouvoir donner. Par contre ça se remplit pas vite. Après tu vas me dire c'est la maison. C'est la maison, hein. On a le temps, hein. Regardez quand même le potager. Trop de temps. Regardez le potager. Mais ça prend pas de thunes. C'est gratuit sur la maison alors. Apparemment. Apparemment. Kratos. Je vais regarder quand même vite fait le potager si. Attends, viens avec moi. Regarde pas. Hop là. Hop là. Non, ça remplit bien automatiquement. Non, ça marche. C'est farming ça, mort de rien, un seau d'eau. Ah ouais, c'est farming. Au seau d'eau, c'est le petit jardin. Le petit jardin, regarde, on sort quelques compos dans le jardin. Bon, c'est des cagettes de 16 litres, hein. Ça prend les portes. Il y a de la grande exploitation et puis il y a le petit jardin du grand-père. Et where's the croquette? Ouais, pas mal. La maison aussi, elle est stylée. Regarde la maison pour dormir. C'est calme. Ils ont joué les détails, hein. Franchement, elle est belle. Elle est vraiment belle, la maison. Un truc. Ouais, je croyais que les portes s'ouvraient. Je vais les tester quand même. Bon. Ah putain, c'est pas plein, ça. Oh bah, vieux Eh hey, si ça s'arrête toutes les 30 secondes, ah pas fini hein. Attendre que ça charge, mais ça va être long hein. Et hey, merci pour le prime, le 6ème mois, merci beaucoup. Merci. Sympathique. C'est la hype. Et la hype. Bah ça va être long les enfants, ça va être très long. Bah, j'arrive à remplir la Josquin de l'autre côté. Hein. T'arrives à remplir la Josquin de l'autre côté? Bah si t'arrives à la remplir, non. On s'en sort. On fera les pleins en off, hein. On se rappellera de remplir les citernes en off parce que là... Bon. On est qu'à 70%. C'est la pause pipi. Vous voulez commencer à aller faire pipi, n'hésitez pas à y aller. Ah bah si, ça coûte de l'argent en plus la flotte là. Non, c'est le carburant. Je mets du carburant. Tu mets du carburant? Bah oui. Bah voilà, vas-y, dépense les sous. Ça sert à rien. Pas eu la hype là. Ouais, mais le FU moment l'éther il est passé. Peut-être trop proche les uns des autres. Peut-être mis en file d'attente. C'est pas bon. T'inquiète, je peux les rembourser ce. Je rembourserai un. Je les redonnerai 500 points. Ah, Soul d'alerte en ce moment, il est un peu en PLS. C'est pour ça qu'on va changer. On va tout passer sur Lumia dans pas longtemps. En plus, les alertes, vous allez pouvoir me les faire popper devant mon écran à moi. Ça, en fait, ce que vous allez voir, en fait, que ça cache votre l'écran, bah, ça me le cachera aussi. Ça peut être vachement marrant. En certaines situations. Hop là! Allez, on va donner à boire au bouton. Ça va être sympa, trop. Allez, c'est moi passé là. Pourquoi tu freines devant ma tête, toi? Sérieux, quoi? Oui, mais il s'arrêterait pas, quoi. Là, tu freines devant ma gueule et là. Lui, il s'arrête pas. Bravo. T'es sûr, les moutons? Je fais que passer. Je vais vous donner à boire. Hop là. Bon bah... Ah merde. Trop loin. I. Ah glou glou. C'est bon, le mouton c'est fait. Le mouton c'est fait. L'eau, il manque plus que la paille. Faut ramener un peu de paille.
Du coup, elle, je vais la laisser là. Je laisse la citerne aux moutons, hein, comme ça vous avez pas besoin de t'emmerder. Ça bouffe que 25%. Donc, plus de Kawa Schizo, il doit être en cours de rechargement, mais il devrait pas tarder à être fini. Tu vois. Kawa, il devrait pas tarder à arriver. Là. Bon, du coup, j'ai réussi à remplir la citerne nickel, maintenant je peux la rendre. Ah non, tu la rends pas. Quoi, tu l'avais loué ? Je l'ai loué. Ouais. Non. Merde. Je l'ai loué pour essayer. Bah voilà. Ah voilà. Et bah rends-la. Moi, il me faut un ballot de paille. Rappelez-moi le ballot de paille. Si je me rappelle bien, c'est cela. Ouais, c'est là. J'allais chercher. Ah, on n'a pas de pic à balle, tu m'as dit. Hein. Oui. Non, ça s'achète. On n'a pas de picol à balle. Mais pourquoi on a une chargeuse alors sans pic à balle? On a le godet. Chier. Tu m'achètes un petit pic à balle? Oui. Tu fais? Oui, je t'achète ça. Allez chercher ça au magasin, vite def. Je suis débrouillé, je t'achète tout seul. Et tu m'en donnes un vrai, hein. Un truc de merde. Ah oui, il faut pas être devant. Putain. Bien sûr, un vrai. Ouvrir le menu. Deux. C'est ok. Là, voilà. On va aller au magasin. Fait, je crois que je me suis pas pris la bonne route. Si, c'est là et à gauche. Si, c'est ah, ça. C'est bien, et le carburant, il est gratuit. Le carburant, il est gratuit? Non, il est pas gratuit, le carburant. Putain, sur le NH, il est allumé. Ah ouais? Ah oui. Hop là! C'est de l'autre côté à gauche, voilà. Ouvrez de route. Ah, tu vois que ça passe. Rasta qui teste mes alertes, voir si tout fonctionne correctement. Normal, il faut tester. Putain. Bah là, ouais, c'est bien pété là. Hein. C'est pas pété, ça marche. Là, le seul truc qui est pété, c'est qu'on traîne la patte pour arriver à se faire de l'argent. C'est super long. Super long à faire de la thune, là. Les ouvriers sont pas en forme, ils parlent pas, ils font la gueule, là. C'est pas possible. Ça s'accroche où, ce truc, là? Ils ont pris trop de vacances, là. Ça y est, ils ont trop mis aux vacances. Maintenant, les gars, ils sont trop habitués, ils sont en mode fatigue, là. Ils ronflexent, les mecs, toute la journée. Pas de farming, j'ai pas le temps. Oh putain! Cet acteur bleu. Ton lui. Il a un angle de. Le NH? Ah ouais. Ah ça va, le NH est pas mal. Il tourne super bien. Je joue plus avec les mains pendant 5 minutes. Oh putain! Oh putain, et tu veux jouer avec quoi? Avec mes pieds? Ça va être compliqué là! Tracteur! Mais non, j'ai plus le droit de jouer avec mes mains! Oh putain, attends! Ah, je vais te troller. J'avais la mallette qui était branchée, j'ai fait du colosse cet après-midi. Voilà, je peux continuer à jouer. Voilà. Tac. Bah, tu joues avec tes mains, là, non? Ah oh? Pas avec les mains, je joue avec la manette. Ah ouais. Je joue avec mon nez. C'est mon nez, c'est pas mes mains, c'est mon nez. T'es en chaussette, non? Tu peux jouer pieds nus aussi. Ouais, je suis en chaussette. C'est quoi ce machin là? Ah, attends, joue avec les dents. Regarde. Avec le bout de ton nez. Ah, le plus difficile c'est pour tourner. Regarde, hop là. Putain, c'est violent. Oh, c'est violent. Et ça marche. Regarde. Ah, oui, ça marche. Oh putain. Attends, je fais avec les pieds. Ça bouge pas. Arrête. Ça me va comme ça. Ah, je comprends bien. Ah, putain. Ah, tu me fais faire du sport à cette heure-là, toi. Avec ton coude, sinon. Ah, avec le coude, je comprends bien. Ah, je vais essayer de me caler, non. Déjà. Merde. Allez, let's go. Oh, oui, ta voiture. Excusez-moi, madame, je peux passer. Qu'est-ce qu'il m'a acheté comme fourche, lui? T'es pas gouré quelque part, toi? Espèce de con. Il
qu'est-ce que tu dis, j'entends pas bien là. T'as pas un truc dans la bouche? Non. La joystick. Ah putain. Il a bon goût le joystick. Ta gueule. Ah. Ta gueule. Oh putain, c'est pas possible avec la voiture. Pas possible avec la voiture. Je joue pas avec ma main, je joue avec mon briquet. Voilà. Ah ouais. C'est mon briquet qui joue. Ouais. Pourquoi tu m'as acheté ça pour une fourche à un pic à balles là? Parce que ça c'est parfait, si tu dois prendre du fumier tu y seras tranquille. Ouais mais c'est des balles que je veux prendre là. Pas du mais fumier. C'est bon, tu vas pouvoir en prendre des balles, des carrés, des rondes, des isocèles, de tout ce que tu veux. Des isocèles, d'accord. Les isocèles au pire, ouais, je comprends. Les nouvelles types de balles dans Farming Simulator. Jouer avec des balles isocèles. Faudrait dû dire sans parler. Je comprends. Les gars, faut le dire hein, si je vous emmerde. Hein. Partir, hein. Pas le problème. Hein. Je veux bien avancer un peu le temps histoire de voir si on peut pas avoir de la mission qui pop. Non, bah je fais comme vous moi. Je fais que des trucs de merde, t'es. Tu. Il sera assez puissant pour prendre ça, lui. Qui? 115 là? Non. Ouais. 115, je suis pas sûr qu'il soit assez puissant pour prendre 180 chevaux à l'arrière. T'es. Ah oui, non. Oui, non. Pas assez. Déjà le petit Flint il galère alors. Bah ouais. Oh putain. J'arrive pas à le lever. Hein. De quoi? J'arrive pas à le lever. C'est injouable de comme lever ça. Quoi? T'es de une extension. Hein? Alors, mais bah. Bah enlève. J'essaye la de me diriger au clavier avec mon briquet s'il te plaît. Ça fait bien 5 minutes que je galère là, c'est bon là. Y'a pas un café à me faire là? Sérieux? Bande de sagouin. De galérer. Ah, il y a une mission de pressage et une mission de récolte, je prends un. Ah, merci Rasta. Voilà. Ah, c'est utile. Merci. Ah, on va se faire un café, là. Ça sera mieux. Là. Vas-y, moi je vais fumer une clope et je vais faire la, fais ta vie. La récolte de betterave. Oh hey. Oui. Ah non, si, c'est bon. Ça doit lever, là. Ouais, mais là, je vais faire la récolte de betterave. Ah tu c'est l'as bon, fait quand même. Ouais elle vient de popper là. Mais non. Ah tu te démerdes hein, moi je la touche pas. Ouais bah je m'en fous hein, je compte pas sur toi. Hein. Oh putain. On sait très bien qu'on peut compter sur toi. Et... Oui, oui. Je comprends bien. Sinus Kizo, ça va mieux ton crâne? Non. J'ai toujours à moitié malade, je tousse à moitié. Et un coup j'ai de la fièvre, un coup j'en ai pas. Et voilà, c'est ça s'arrête pas. Petite question, j'ai pris une mission d'enrubanage que je dois livrer aux négociants à bétail et fourrage, mais vous savez, trigger. J'ai essayé l'abri à paille, trigger vrac, mais ça marche pas. Bah normalement c'est l'abri à droite là. Normalement. Ça devrait être dans le trigger normal en fait le. Ah comment il s'appelle, j'ai perdu. Le petit trigger à la con qu'on a sur le côté là. Pas celui du grain en fait, celui de la paille et du foin et tout ça que tu ramènes à côté du négociant à bétail. Oh t'énerve pas toi. T'énerve pas, juste de la place, c'est pour livrer le foin après. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai tué le Covid schizo. Non, c'est pas possible. On est au quatrième test en un mois. J'en fais un par semaine. Et non, j'ai pas le Covid. Pas le Covid. Et il y en a deux qui ont été faits en labo. Donc, non. Pas le Covid. Même mon médecin, il a cru que j'avais le Covid à force. Parce que, à force de me filer antibiotiques, magin, tatati, panadol, amoxicilline, tout ce qui va bien. Bah, même lui, il en a eu marre. Il dit, je comprends pas pourquoi vous rechutez quand vous arrivez au fin du traitement. Elle dit, je sais pas, mais j'en ai marre d'être 3 jours bien, 3 jours pas bien. Alors on est plus proche des 24 heures bien et 24 heures pas bien.
Tu vois, aujourd'hui, ça allait à peu près. Hier, j'étais fiévreux. C'est, ça devient chiant. Vraiment. La sniff, ça marche pas. Ben, on n'a pas eu encore des missions d'enrobanage et tout ça, donc je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire. Si j'en ai. Une mission de pressage, là. Ouais, mais t'as pas d'enrobanage, là. T'as du pressage. Ah, je sais pas. J'ai... Eh ben, regarde. On a pas faneuse. Quoi faneuse. Faneuse, ouais. On n'a pas de faneuse. Oui, mais sur la mission de pressage. Non, sur la mission de pressage. Parce que lui, il arrive pas à poser, c'est les balles d'enrubanage. Donc, salut Jeff. Comment on va? Bah, ça va, on fait aller. On fait aller. Oh, la ferme, la brebis. Pas trop de bruit. En tout cas, c'est super bien fait. Bien. Étage. Vraiment une impression d'y être. Alors, Jeff, PM95. Tu vois qui je suis. Alors j'en connais du Jeff, hein. Mais non. Je vois pas qui tu es. Anto, tu veux bien commencer le 1? Jeff, ça Jeff, Jeff, follow. 6 octobre 2022. Il y a les machines. Je vais, réfléchir et je te dirai. Alors déjà, t'es récent en follow chez moi. Ça va? Je vais prendre ta place après. La première fois que tu mets un mot dans le chat, que... Je suis venu chez toi. Un Jeff qui est venu chez moi. Wow. Alors attention. Alors, on s'accroche au pyjama. C'est Jeff Panaclock. Non, c'est pas Panaclock. Je te rassure, c'est pas Panaclock. Attends, je suis en train de chercher. Putain, pourtant t'as un follow récent et tout. Non, c'est pas une carte de Giant, Rasta. T'es qu'en fait, t'en es où? Non, bah, je l'ai oublié. J'ai juste oublié, t'inquiète, je le fais. Non, non, c'est pas les cartes de Giant, ça, c'est la carte Overman de Andy Farmer, du groupe LSFM. Attends, garçon, j'essaye de chercher. Ouais, il est devant chez, en ce moment même, avec un masque de clous. Perorad. Oh là là, il m'a perdu. Alors déjà vie, je sais pas ce que... Et attends, j'ai... Oh, je sais pas, vas-y dis-moi en plus. Donne-moi plus d'indices. Je côtoie tellement de monde, j'en croise beaucoup. Allez, je reviens. Là, tu viens 40 toi. Non, je veux pas du 40. Hein. Carrément pas. Ouais, on a des modes dessus, mais on a pas grand chose. On a 2-3 modes à la con. On a surtout les modes d'origine de la carte. Mais on a vraiment pas grand chose derrière. Ah, mais il a fini de ramasser tout. Okay. Non, on a la sous-soleuse en 9 mètres, je crois. Et on a le broyeur. Attends, je vais reposer la chargeuse et tout. Ah putain, il faut arriver à vous suivre les gars. Déjà ça m'intrigue parce que je pensais à un Jeff mais c'est pas possible parce que il est follow trop court en fait de la chaîne. Donc, je joue avec toi au truc. Ouais mais t'as changé de pseudo. Un gars en IRL qui me connaît, qui vient à la maison et qui joue avec moi au truc, non c'est impossible. Moi il a pas compris là. C'est pas possible. Là je vois pas. Là franchement je vois pas. Ou sinon c'est pas Jeff ton nom. C'est ton prénom, ton vrai prénom c'est pas Jeff. T'es. C'est pas possible. T'es. Et encore parce que même dans les connaissances, Jeff, j'ai pas de Jeff qui joue à Euro Truck avec moi. Surtout qu'Euro Truck je l'ai pas démarré longtemps. Jean-François. Oh putain. Attends mais je vois pas. T'es qui? Attends, mais là j'ai la blague. Je sais pas. Je suis en train de chercher. Tu vas voir que quand il va me dire, je vais me retrouver comme un gros con parce que en fait, voilà. Jean-François. Et j'ai beau chercher. Allez, STV, bonjour. Bah ouais, je suis en train de chercher comme un gros con. Bah je sais pas. Voilà, je sais pas. Même moi, Jean-François, ça me dit rien. Ouais,
comprends bien, les gars. Non, tu m'as dit mission de fauchage. Attends, bouge pas. Parce que du coup, je suis perdu. Je suis en train de réfléchir en même temps, ça y est, je suis au point. Pressage. Ah, t'as pas emprunté la... T'as pas fait la mission? Ah, t'étais pas là. Je comprends bien. Nolan, Nael. Ta gueule là. Ouais, c'est un troll. Je connais Nael, mais... T'as un troll. Ouais, je vois pas. Oh là, je vois pas. Je suis désolé. Sur Louis, eh ben écoute, shop Discord et puis viens, on parle, parce que là, franchement, je vois pas. Plus j'avance et plus je suis perdu. Donc, soit je suis pas dans la bonne direction du tout, parce que je m'attends pas à avoir un truc aussi proche IRL trouvé dans mes pattes. Donc, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Quel gros mot, Rasta. Hop là. Je sais pas du tout. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Putain, du coup, je perds mon latin. Case, bouge pas. Ça tombe bien, on est en France. Le jeu de la devinette ce soir, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais je, en plus, je cherche comme un gros con. Et Nael, je connais une Nael. Mais Nael, mais... Non, mais là, ça doit être un Nael, parce que vu comment c'est écrit. Ah putain, j'arrive pas à voir. Et ça doit être un gosse. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah non, il a, c'est ses enfants que... Ouais, je sais pas. Ce que je dis, je te dis, viens, on chope Discord. Envoie-moi MP Discord, je te chope après le live, y'a pas de problème. On discute. Mais là, j'ai... je vais me retrouver comme un con. Mais là, je vois pas. Soit c'est un troll et c'est super bien joué, mais... 46 ans. Bon. Viens, on s'attrape après le live. Pas de soucis. Toi qui es un gosse, t'inquiète. C'est tes enfants qui sont des gosses. Non, c'est lui qui a 46 ans et il a deux gamins. Oui. Et c'est... C'est le 25, hein, c'est ça la mission. Il a cru que j'avais dit que lui était un gosse. J'ai dit non, c'est pas lui le gosse. C'est Naël, ouais, ses enfants. C'est son gosse. Ouais, d'accord. 25, j'ai dit. Putain. Et... Je comprends, Kali. Je comprends tout à fait. Tu m'étonnes. Ça va me trotter dans la tête en plus. Truc de fou. Merde, tu peux pas partir au bon endroit. Putain. Ça y est, je fais des conneries. Allez, casse-toi, toi. Aïzou, va-t'en. Ouais, on roule sur le 4x4, c'est pas grave. Ça va se passer bien. Hop là. Tu l'avais download sur quel site? Bah, sur le site de la LSFM. Sur leur site à eux, en fait. Parce qu'il y a que là où tu peux la DL. Sinon tu chopes le premier épisode que j'ai balancé sur YouTube et normalement tu devrais la choper facilement facilement dessus. Et non Taz, les liens passent pas. Les liens passent plus. Interdit. Mais sinon Rasta, tu mets MP et je t'affilerai. De toute façon, on va avoir le hall mode du serveur commu à filer. Non, mais donc, c'est Wastack Pocket. Tu ouais, connais bah, Wastack Pocket. Il y aura le serveur commu qui va s'ouvrir là. Je vais essayer de l'ouvrir dans la semaine. Là. Donc, on va voir, tu sais. Ça y est. Quoi? Donc si, c'est bien ce que je pensais. C'est ça. Bah putain, vieux. Et t'es follow que depuis maintenant à la chaîne. Bravo. Petit con, tu voulais pas te foutre avant. Sérieux. Putain, ça date. Non, mais si, j'avais un doute. Je savais qui c'était au départ, mais tu vois, j'ai eu un doute après. Mais si, si, c'est bon, ça y est. Viens. Ouais, bravo. Ah bah vieux. Comment il va le Jeff, du coup? Ah, j'ai retrouvé, oui, ça fait... 46 ans, il est vieux. Ça, ça fait un moment que je l'ai pas croisé. Putain, ça fait grave un moment que je l'ai pas croisé. Ça fait 5 ou 6 ans. Tu m'étonnes que ça valait pas me revenir comme ça en automatique dans la tête. Et oui, maintenant, Eurotruck avec Bratak.
je me rappelle bien, si je dis pas de conneries. Le message il date de 2017 donc. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. Toujours chaud Discord. Bah vas-y, Discord, prends mon Discord, fais ta petite présentation et puis je te chopperai après le. Après le live, y'a pas de problème, Jeff. Nos soucis. T'aurais dû me parler de la. Les farmers de l'extrême dès le départ, tu sais. Ça aurait été plus simple. J'aurais fait le rapprochement en direct. Parce que là, t'es parti en IRL. Et... Ouais. J'y étais pas du tout. Les calculs sont pas bons, Kevin. Non, les calculs sont pas bons. C'est quand tu me mets des paillettes dans les yeux, Kevin. Non, c'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Oui, pardon, tu le fais tellement mieux que moi. Y'a un modo qui peut lui filer le Discord, s'il vous plaît, Kali. Parce que le lien est juste au-dessus, en fait, il a déjà popé, donc... Il prendra pas la répétition. Hop là. Ah putain, bah pour une surprise. C'est bon, j'ai trouvé. Donc nous, on revient aux moutons, maintenant que... Il y a un ancien de l'ancien qui a réapparu, qui m'a fait une surprise. On est sur Offberman, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et on est sur du fauchage, et on doit faire du fanage. J'ai pris le gros case, ça va pas mettre longtemps à faucher. On est sur le 25. On est sur la betterave. Vous éclatez avec de la betterave, on essaye de faire des sous-sous. Tu sais la mission que t'as envoyé péter tout à l'heure? Ouais, carrément. Ah, c'est celle-là en plus, c'est la même qu'à repopé, du coup. Oh putain. Et du coup, vous retapez la même, quoi. Et vous êtes en mode motivé, quoi. Vous êtes vraiment en mode motivé. Oh, pas de problème, je comprends. Ah oui, vous travaillez à deux, là. Ah non, je suis tout seul. Comment ça, tout seul? Il est où, Soussou? Soussou, il nous fait un AFK bio, là. Ah oui, AFK clope, ouais, j'avais oublié. J'avais oublié que tu faisais. T'es en mode feignant. Pas de soucis, je te chope après, Jeff. Dans une heure. Bonne petite. Hop là. Eh ouais. Putain. On n'aura pas réussi à faire d'oseille. Hein. On aura dépensé un peu, mais on n'aura pas réussi à faire une tonne d'oseille. C'est dommage, vraiment dommage. Ça va être difficile de la lancer, même en communautaire, ça là, je pense qu'on va galérer au démarrage. Il y a les petits gars qui vont faire des missions, je pense. Mais... Si on n'arrive pas en qui est une petite mission, ça va être vite bidon. Vite chiant. Hop là. Ouais, mais c'est pas le même manteau là. Pas du tout le même manteau. Ah, c'est à nouveau celui-là. L'économie est très difficile au début, ce que je vois. Bah là, ouais, surtout qu'on s'est fait plomber 100 000 dès le départ. Ça a cassé l'ambiance dès le début. Là, on a pété... Déjà, t'avais un crédit à 300 000. En fait, si tu veux, au lieu de démarrer avec 200 000 euros, on a démarré qu'avec 100 000 euros, quoi. Donc, et 100 000 qui nous manquent, ça serait un champ, tu vois. Continue ou je prends la place? Ouais, vas-y. Va chercher la deuxième benne parce que. Donc avec une benne, on va être chaud. Un petit 100 000 de plus, un champ de plus de rendement à l'année, ça aurait été mieux. La nôtre? T'es... Oui. Ok. J'y vais là. Vas-y, faites votre business. À la foire comme au moulin. Tu veux que je te la mette au même endroit? Non, mais c'est bon, y'a pas de soucis si elle est là, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? T'as besoin d'aide ou c'est bon? Non, je suis au fauchage. Après, peut-être faire un peu de fanage. Puis, je devrais y aller, tu sais. De toute façon, bientôt, tu pourras les vider la benne, Soussou. Hein. Bah, je vais la vider de suite, comme ça, ce sera fait. Ouais, on est en mode saison, ouais, bien sûr. Combien de temps? 55%. Mode saison, tout activé, toutes les difficultés, la chaux, les cailloux, tout activé. On est au maximum de la possibilité d'être dans les emmerdes. Hein? Vraiment au maximum. Oh, j'ai déjà 10%. Mais bon, les débuts de carrière, c'est souvent comme ça. Hein. Mais bon, avec 100 000 en moins, en temps normal, j'ai l'habitude de démarrer avec 300. Et là, tu vois, je suis perturbé dans mes comptes parce que démarrer qu'avec 200, bah,
J'ai pas mes dépenses habituelles, même si on a fait, on a bien réussi à refaire peut-être les 100, les 100 qui manquaient. Et merci Jeff pour la boue. Merci. Merci, merci. Et du coup, ouais, ça va prendre un peu de temps pour se remettre bien. Je pense que la première année va être compliquée. Ouais, je peux pas plus. La deuxième va être un peu plus leste. Et la troisième, on devrait rouler, quoi. Normalement, si tout se passe bien, la troisième, on devrait rouler. Parce qu'on va commencer à enquiller les chaînes de prod. On va commencer à enquiller les chèvres et tout. Donc la fromagerie. Même si c'est des détails à vendre à l'unité. Qui rapporte pas non plus max de thunes, mais qui a un gros rendement. Du coup, ouais, c'est... C'est pas mal. De toute façon, on a pris la carte pour le challenge, hein, je vous l'avais dit. Hein. Le barman, c'est une carrière à longue... on va dire à long terme. C'est une carrière... voilà, ça va rester sur le communautaire. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui viennent y jouer. Je pense qu'il y aura peut-être la, petite, la fine équipe d'habitude du commun. 2-3 coups de patte à droite à gauche, comme ça, en one-shot pendant les lives, je pense. Mais voilà, quoi. Je veux dire, c'est une carrière... là, on a le platinium à poncer à partir du 15. Ça va faire pas mal de boulot. D'ailleurs, il va falloir que je reprenne un serveur exprès. Oh. Enfin, je recommande un serveur, ça. Pour le platinium. Bah, il y a le mien. Celui-là, il est hébergé chez qui? Et chez celui-là toi, celui-là est chez moi. Ah oui, moi, chez j'ai toi. Encore, j'ai encore un 10 à côté. Hein. Non, bah là, j'ai. Bah non, celui-là, s'il est, si on le met chez Cali, celui-là, bah du coup. Derrière. T'as ce business. Ce business de serveur quand même. Moi j'ai filé un serveur à Jean et à VG. VG et Jean ils ont un serveur à moi tous les deux 10 slots. Et j'ai Kali qui a une ma clé presse qui héberge un serveur. Et derrière il y a Anto qui héberge mes parties multi. Et moi j'ai pas de serveur proprement dit à moi. Donc ouais tu reprendras le platinum, tu prépareras le platinum. Le 15 là, platinium activé. J'ai encore le 10 à côté que L2C il avait pris l'autre fois quand ils avaient fait. Ah les tests ouais. Ouais. T'aurais pu faire des andins direct avec les Pottinger. Ouais je sais mais là on est en mode foin. Je fasse du foin. Je peux faire des andins. J'aurais dû désactiver celui de devant d'ailleurs. C'est surtout ça que j'ai fait le con, j'ai pas désactivé. Bah non, devant tu peux pas désactiver. Tu peux pas désactiver l'andin de devant? Bah non. Mais non. D'accord. Non bah alors non bah les andins vu que je fais du foin c'est du fanage hein, je dis pas de conneries. Oui c'est du fanage. Ouais c'est du fanage ouais donc ouais non. Tu sais plus comment on fait du fanage ou quoi? Ah si si. Si justement ça m'a pas perturbé de pas avoir d'andins. Ça m'a vraiment pas perturbé sur le coup. On va pouvoir promener ça gentiment. Là je vais me prendre un coup de café, je commence à retoucher comme un porc. Hop là. Nice. Maintenant toute difficulté activée. On est au maximum des emmerdes qu'on peut avoir. Et les gars aiment ça hein. Tant que moi je pense. On n'a pas fait encore de carrière partir facile t'sais. On en a pas fait encore hein. Non on a pas fait encore. On va en faire une sur serveur pendant 72 heures là. Arriver à éclater farming en 72 heures. En facile. Avec la commu et tout. T'sais. Peut-être qu'on le fera avant Noël. Possible. Si je vois que j'ai un créneau. Peut-être qu'on s'amusera à le faire. Ou avant Noël, ça va être tendu. Je sais pas. Ça dépendra entre de la crew farm. Ça entre dépendra le platinium, de la crew farm. La crew farm, le commu. Ouais, mais ça dépendra de la crew farm. Pokémon entre temps. Faut pas oublier Pokémon. Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous. Il y a encore un petit peu de Fortnite qui va se venir ce... Ah non, pas Fortnite. Non, Fortnite pas pour moi. Ah putain, comment Call of ? Call of qui va venir se coller encore là-dedans. Ouais, un peu de Call of, ouais, c'est sûr. Call of, ouais. Donc, tout ça réuni. Call of, faut que je voie avec VG Call of s'il veut pas faire les missions coop là ensemble. Ça a l'air super chaud, là. Je suis parti en PNJ la dernière fois, là. Wow ! J'étais deux fois, j'ai eu envie de mourir à chaque fois. Bon, laisse tomber. J'essaye de les faire. Je voudrais débloquer l'autre perso. Après, j'ai pas beaucoup d'heures hein, sur Call of. Hein. Je dois avoir fait quoi 2 heures, 3 heures max. Vite fait, comme ça, en le tryhardant, je vais être level 11. C'est... J'ai à peine débloqué les viseurs de la première arme. Mais bon, j'ai déjà un ratio de P
PD quoi. Donc du coup, je dis que ça peut être intéressant. En faire un tout petit peu. J'ai un bon shoot. Il y a certaines cartes, je suis beaucoup plus à l'aise que d'autres. Ça peut être beaucoup plus marrant. Pokémon, parce que voilà, tu sais, Pokémon, j'ai regardé quelques trailers là, je suis en train de me renseigner un peu sur le jeu. Là. Pokémon, c'est juste parce que ça me délire de le faire. Ça peut être marrant. Et puis ça me fait permettre de tester aussi la Switch avec les gâteaux, voir comment ça va se passer pour le son et tout ça. Ça permet de voir le jour où on aura un bon jeu de plateforme sur Switch, peut-être. Voilà. Je m'amuserai à le faire. T'as envie de voir la tête de la map Platinum? Ah bah! Ça pourrait être sympa. Moi je pense que la map Platinum elle est pas si dégueulasse que vous croyez. Hein. Ah putain, il est là le bateau. Magasin Fabrice, tu vois. Voilà, la map Platinum, je pense qu'elle sera pas si sale. Moi ce que je suis curieux c'est de savoir s'ils vont, ils ont mélangé de la grille et vraiment le bois. Ils ont fait vraiment une carte dédiée bois. S'il y a les deux, ça peut être marrant. Parce que tu peux faire du coup une belle carrière dessus ou en mode agri et l'hiver en mode vraiment vraiment viticole, viticulture. Non, civi. Non, c'est civi ou viki? Viki. Viticole, viticulture, c'est viticole. Non, alors c'est civiculture, pardon. Ouais, civiculture. Il y a un trou de mémoire. Ça peut être pas mal. Non, non, c'est moi, c'est ma jambe. Si vous voulez, j'ai mal. Je suis en train d'avoir mal à la gorge, là, tu vois. Et du coup, j'ai ma jambe, je fais ça avec. Du coup, ça fait bouger le siège derrière. Donc, non, non, c'est pas toi, c'est moi. Ma femme arrête pas de me dire. Tu vas te calmer. Du coup, c'est pas de ma faute, je suis nerveux. Et surtout que j'ai la gorge qui est en train de me foutre en feu. Ça fait mal. Ça fait mal. Et vivre sans amygdale. Bah, tu verrais la gueule de mes amygdales, mon gars, c'est deux ballons de basket quoi. Non, on veut pas voir. Rouge écarlate, vous connaissez ? C'est le fond de ma gorge. y aurait peut-être des speedruns pour construire le manège au plus vite. Ça peut être sympa. Moi, je sais qu'au départ, on va faire comme d'habitude. On va ouvrir le serveur. Si tout le monde veut venir, vous venez, il n'y a pas de problème, je vous conçois un maximum. Je sais que j'invite un des streamers spécialiste bois farming, voilà, qu'on le teste vraiment avec lui. Parce que moi j'ai pas de retour sur le bois en fait. Je pourrais pas vous dire si c'est vraiment pété ou pas pété. Donc je connais un gars qui fait du bois à Tarbas. Dans... Mec, qui s'appelle Vapo. C'est ça. Qui a fait du bois à Tarbas dans ses carrières et tout ça, c'est un peu ce qu'il adore dans farming, c'est le bois. Du coup, on va l'inviter et on va avoir son ressenti direct. D'ailleurs, faut peut-être que je le bip parce qu'à 5 jours de l'arrivée, que je le tienne. Ça s'appelle lui. Mais ouais, on va voir avec lui et puis lui, il nous donnera vraiment son ressenti général si vraiment il sent que le bois va beaucoup mieux ou si c'est encore pété quoi. S'il le sent encore pété, et puis de toute façon, on le verra. Mais ouais, au départ, serveur 16 slots, platinium dessus, comme d'habitude, pendant 3 jours. Voilà, et après on décalera la save sur la partie d'Anto et on continuera, enfin sur le serveur d'Anto, et puis on continuera cette save sur le côté en live. Voilà. Et je pense que les 3 premiers jours, tu seras pas en 16 slots, toi. Tu peux pas faire du 16 slots, Anto, là. T'as qu'un 10, c'est ça? Si. Si, tu peux faire un 16. Non, là on a un 6. On a 8, là. Non, on a un 8, je crois. Et j'ai encore un 10 à côté. Ouais, donc ouais, si, tu peux faire du 16. Et bah au pire, hein, directement sur le tien, en 16. Et puis après, on le redescendra au besoin. Mais à la sortie du DLC Platinum, pour tous ceux qui veulent venir le tester avec nous, vous serez la bienvenue. De toute façon, je lance les invitations. Vous verrez popper ça dans la journée du 15 sur Discord, sur le communautaire YouTube et tout. Si vous avez envie de venir, n'hésitez pas. Limité, bien sûr. Bon, les slots sont limités. Faites bien votre présentation dans Discord. Ça serait con de ne pas pouvoir venir parce que vous avez merdé et vous n'avez pas lu le règlement. Ah. Lisez bien le règlement, faites les trucs correctement. Ça bien si vous voulez venir. Mais le platinium, on aura le mode, enfin tout le pass, mais pas au début, c'est ça? Pass, mais pas au début. Ouais, le. J'ai pas compris la question. Interprète. Tous les DLC. Le platinium, non, t'as pas tous les DLC avec le platinium. T'as juste le platinium. Non.
On avait dit que la partie, on la ferait tourner avec tous les DLC. Ah, sur sur le Platinum. Non, c'était le Crew Farm. Voilà. Pour la Crew Farm, je voulais la faire tourner avec tous les DLC. Ah, ok. Pas le Platinum. Non, le Platinum, on mettra que le Platinum. Pour ceux qui ont pris que le Platinum, okay. Tu vois. Ça va. Le miel, c'est souverain. Ce que tu as. Je suis déjà à 2 kilos de miel, mon gars, en un mois. C'est souverain, mais ça règle pas. Tu veux savoir c'est quoi ma pilule magique? C'est Tramadol. Tramadol, paracétamol. Voilà. En 37,5, il n'y a que ça qui va bien. Bah, je te jure qu'il n'y a que ça qui va vraiment bien. Tramadol, c'est un peu costaud quand même. Hein. Ouais, bah. Avec mes problèmes de chi, tu vois, je suis habitué, donc j'en ai toujours à la maison. Mais il n'y a que ça qui passe à peu près bien. On va dire si j'en prends un toutes les 6 heures, franchement, c'est pas mal. J'ai essayé plein de conneries, mais il m'a foutu sous traitement de cheval. J'étais sous prednisol. Alors la première semaine où je suis tombé malade, j'étais sous prednisol avec je sais même plus le nom de truc à la con, mais c'était un sirop à la codéine pour un anti-toussif là. J'ai perdu le nom. J'avais comment te dire que là j'étais en mode drogué. Je vous l'avais dit d'ailleurs quand je suis venu en live. J'ai dit si vous voyez que je suis délire, c'est normal, c'est les cachets. Donc ça m'avait aidé un peu la première semaine, on va dire, tant que j'étais sous traitement, ça m'avait bien aidé. J'ai arrêté le traitement, je suis replongé direct. J'ai retapé un 39 de fièvre, même plus. Voilà, ça m'a bien plongé dans le mal. Du coup, je suis retourné voir le médecin, il m'a filé amoxicilline. Avec, bah, je lui avais dit, du coup, j'avais testé les tramadol. Je lui avais dit que, bah, que le tramadol, du coup, ça allait mieux. Avec le tramadol, j'arrivais à que ma gorge soit propre. Enfin, que j'arrive à respirer, du coup. Du coup, il m'a filé une sorte de ventoline, là, je sais pas comment elle s'appelle, mais avec c'est des anti-inflammatoires pour les bronches, avec avec de l'amoxicilline et du coup une réordonnance de tramadol. Je tournais avec ça pendant 2 semaines, donc on est à 3 semaines. Là. Et là, tu vois, c'est la 4e, j'ai plus rien, j'ai plus que les tramadol, il m'en reste un peu. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine, médecin, parce que maintenant, quand tu, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais quand tu prends un rendez-vous médecin, bah t'as pas rendez-vous avant 2 semaines. Les bâtards, je sais pas pourquoi, mais il y a tout le monde qui est malade. Quoi. C'est affolant, tu prends un rendez-vous au médecin, il faut 2 semaines pour prendre rendez-vous. Tu peux crever en fait avant d'avoir ton rendez-vous. Ah, c'est un truc de fou. Je suis passé déjà 2 fois aux urgences, la femme aussi. C'est la femme, elle a fait une bronchite asthmatiforme qui a failli se transformer en pneumonie, mais qui a été pris à temps. Donc, du coup, voilà, tu sais, puis les gamins qui sont malades à la maison, bah, ça aide pas quoi. On se refile les microbes entre nous. Ça tourne à la maison. T'as essayé d'arrêter l'eau du robinet et que l'eau minérale? Ah non, j'ai pas testé. Oh, tu crois que ça viendrait de l'eau? Oh, quand tu me dis ça, quand ça vient de toi, comment j'ai plus confiance? Alors, il y a un avantage, c'est que moi, sur le frigo américain, j'ai des cartouches filtrantes. Je sais pas si ça peut aider. Mais je me sers que de l'eau, que ce soit pour la cafetière ou l'eau du robinet, je la passe toujours par le frigo américain à la maison. Et je suis pas un riche, le frigo américain, vous calmez tout de suite, je l'ai payé 80 balles sur le bon coin. Le mien m'a lâché il y a 6 mois et j'ai trouvé l'occasion d'en acheter un à 80 euros. Et vu que la femme a toujours voulu un frigo américain, bah, j'ai fait pierre de coup. Antobib reçoit sur consultation ouverte, tu y vas, tu attends en fonction du monde présent. Ah putain, mais c'est pas sérieux, ça passe pas. Ça marche que le samedi, moi. Que le samedi matin. Mais le problème, c'est que le samedi matin, tu vois, le cabinet ouvre à 8h, t'as déjà une queue de 15 km de long, tu sais. Et sans mentir, hein. Le parking, ça doit être à 9 places. Ouais, ça doit être à 9 places devant, hein, en ligne, comme ça. 9 places, t'as déjà tout le monde qui est aligné devant le parking, quoi. Allez, je vais vider chaque N'importe quoi. La dernière fois que je suis passé en urgence un samedi, je suis passé à 11h. Je suis arrivé à 7h30 du matin. Faut dire, comme quoi, qu'il y avait beaucoup de monde devant moi. Bon, 7h30. Hein? Il faut aller avant 7h30. Avant 7h30, le cabinet il ouvre à 8h. Pointe à 7h30, ouais, je passe à 11h. Ah ouais, je vais commencer à. C'est les sorties des soldes, je vais commencer à mettre ma tente le lendemain soir, tu sais. Enfin, la veille au soir, je vais mettre ma tente, je vais dormir devant. Tu vas être encore plus malade. Ouais, tu m'étonnes. 2 semaines pour un rendez-vous. Ouais, bah c'est chaud, j'avoue. Non, les filtres au charbon, c'est juste pour le goût, en gros. Alors, je sais pas si c'est du charbon, je sais pas. Je sais pas si c'est des filtres au charbon. Mais vas-y, j'essaierai l'eau minérale. Je suis pas une bouteille prête. C'est pas grave. Je le dirai à la femme. Et puis vas-y, on va passer en eau minérale si ça peut calmer un peu. Ça va être sympa. Mais tu m'inquiètes. Quand toi, tu me dis ça, tu m'inquiètes. Je sais où tu travailles. Donc, tu commences à me raconter ça. C'est que. Il a dû avoir un écho quelque part. Pas bon.
C'est bizarre, chez moi la texture du foin est verte alors que chez toi la texture est plus proche du gris. C'est lié à ma carte graphique ça? C'est possible que c'est lié par rapport à la qualité graphique. C'est surtout lié à la map. Mais là je pense plus que c'est... La map. Non, là c'est la map. Hein. Là c'est une texture de map. Hein. C'est juste une texture changeante. Hein. C'est pas... Je pense pas que l'occlusion... L'occlusion de la RTX améliore au... Améliore... Enfin... Assombrisse les couleurs, je pense pas. Hein. Regardez, mais... Non, non, mais là, là c'est flagrant. Il y a même pas photo, là c'est la map. Non, non, c'est la map. Non, c'est la map. La map. Parce que ça peut être qualité de jeu choisie après quelle carte graphique tu veux. Non non mais enfin ça pourrait être la carte graphique mais pas aussi grosse pas aussi gros décalage. Même moi le foin il m'a choqué sur le coup mais non en fait la texture elle a bien une texture foin, tu sais, elle a bien la couleur du foin. Juste elle est plus foncée que d'habitude. Ouais. Normalement elle est un peu plus claire, plus vert clair. Mais c'est une texture ajoutée, je sais qu'ils travaillent les textures sur Overman, donc il y a de fortes chances que ça soit texture améliorée d'Overman. Là quand vous allez voir la luzerne ou le trèfle chez nous, vous allez pas là-bas là. Allez les gars, vous avez l'impression d'avoir bouffé bouffé du flou. La luzerne je crois en fraîche, non c'est pas en fraîche, c'est en foin. La luzerne en fraîche, en foin, je vais y arriver. Elle est vachement claire, hein. Vachement éclaircie. Hein. Là je pense que c'est un truc qu'on va modifier avant la sortie. Était vachement clair. Tu poses tente la veille, ouais c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais ouais, je testerai le coup de la flotte du coup. Mais bon, c'est pour ça que j'ai sauté bah, dans le mois dernier, on a perdu énorme parce qu'on a perdu 3 streams au total. Un où j'ai dû emmener ma belle-fille aux urgences parce que bah, elle était malade et... La douleur en fait des amygdales lui remontait dans les oreilles et c'était insupportable. Et c'était pas une otite. Ça lui remontait juste simplement aux oreilles. Ça c'était un vendredi. Et l'autre vendredi que j'avais niqué, bah moi j'avais carrément plus de voix. Voilà, j'avais carrément plus de voix du tout. Alors que j'étais sous amoxicilline et tout, quoi. J'étais sous antibio et tout. Et un dimanche aussi, je me rappelle bien. Un dimanche ou un mercredi, je sais plus. Enfin bref, j'avais une fièvre de cheval. J'avais vraiment pas la force de streamer. Là, je vous prends pas ma fièvre parce que je dois être à 38,5. 38,5. Entre ça, ouais, je vois pas le point. Je sens la barre dans le crâne, tu vois. Je sens qu'il fait chaud, mais j'ai froid. Alors qu'il doit faire 24 dans le setup parce que le poil, il tourne en bas. Donc, ouais. Tu vois. Mais c'est... Comment te dire? C'est compliqué. Mais je voudrais juste guérir, quoi. Le problème, c'est que j'y arrive pas. Et j'ai pas de Covid. Et c'est pas le Covid. Et pourtant, d'habitude, moi, je suis jamais malade. Ah, si je suis malade une fois par an, maximum, au pire, je vais me choper une grippe, je vais être couché 3 jours, je vais me relever après. Mais là, t'es malade, non? Je suis rarement malade. C'est la première fois de ma vie que je suis aussi longtemps malade et aussi méchamment malade. Ah, du coup, tu fais pas les choses en moitié, quoi. Ah ouais, bah c'est ça. Bah non, à chaque fois. Alors au départ, c'était une laryngite, après ça a été une bronchite. Après, il commençait à soupçonner une bronchite asthmatiforme parce que je commençais à avoir du mal à respirer. Et puis là, je sais pas quel scénario qui va me sortir encore samedi, quoi. Un petit coup de ventoline et c'est réglé. C'est pas de la ventoline, en fait. C'est comme de la ventoline, mais c'est un anti-inflammatoire, en fait, pour bronche. Mais ouais, moi, j'ai l'impression que les gars, ils sont plus paumés qu'autre chose. Après, je veux pas lancer de polémique, mais... Voilà quoi. Depuis un certain passage à un vaccin, j'ai jamais été autant malade de ma vie que maintenant. Non. Cause à effet ou je sais pas, mais pareil chose. Après, je suis pas complotiste. Je veux pas en dire plus. Mais ça me paraît juste bizarre. Ouais, test Covid toutes les semaines, dont 2 qui ont été faits en laboratoire. Par contre, on va prendre la benne de la ferme pour remplir, ça y a plus de capacité. Oh mais c'est des choses qui arrivent des fois, voilà, t'es pas vraiment doux. Il suffit qu'il y ait un mauvais diagnostic sur le premier, bah ça s'empire, ça part dans les bronches, le deuxième te soigne mais ça pas soigné la première maladie. Je pense plus que c'est ça, tu sais, je pense plus que c'est un relais de pas de chance et de mauvais diagnostic au démarrage. Quoi. Enfin, j'ai fait 2-3 médecins différents. Hein.
En temps normal, si le premier me sonne pas correctement, je me casse. Et... je vais voir un autre. Et la cigarette qui n'arrange pas, c'est vrai. Mais je fume beaucoup moins. Enfin, normalement, je fume 180 grammes par mois. Là, je suis toujours sur mon sur mon pot du mois dernier, tu vois. Toujours sur le pot de 90 grammes. J'arrive à la fin. Et j'ai dû faire 90 grammes en un mois, donc je suis moins quand même. Surtout quand j'ai eu le coup de la bronchite asthma. Asthma, je touchais plus la clope. C'était fini. De toute façon, tu peux pas. Hein. Ça t'arrache tellement la gueule que je te jure, tu peux. Tu lui inventer de 3 matos. Je fume des roulés, je fume pas des blondes. Arrache la gueule. Bah là, je suis à l'endénage. S'il y en a un qui veut prendre un tracteur et prendre la presse, moi ça m'arrangerait. Hein. J'arrive. Après, faut pas tout rapprocher au Covid non plus. Hein. Vous savez, quand. Covid, c'est bien beau, mais il y avait d'autres maladies qui existaient avant le Covid et qui étaient bien plus méchantes. Hein. Ok, il y a toujours une épidémie de Covid qui court après à droite, à gauche, machin, mais je suis vacciné. Et puis, voilà quoi. C'est peut-être ça le problème en fait. C'est peut-être ça la cause de tous les mal. Y'a rien! Je dis rien, mais dans mes habitudes, j'avoue que c'est bizarre, mais bon, sinon j'ai arrêté aux gens rien, mais. On va dire que voilà quoi, je veux dire. Pas tout mettre sur le Covid. Soit un coup de pas de chance, on verra l'année prochaine. Si l'année prochaine je retombe malade comme cette année je suis tombé malade, ouais là. Là j'ai trouvé ça bizarre. Mais pourquoi tu piles? Putain, mais tu veux mourir quoi, t'es suicidaire quoi. Il a senti la pression arriver derrière. Ah ouais, mais. En plus j'avais relâché l'accélérateur quoi, il avait largement de quoi continuer sa chemin là sans piler dans ma gueule quoi. Et oui, je suis vax, pas le choix avec mes déplacements, les gars, sur la banlieue parisienne et tout ça, à droite à gauche. Les déplacements vélog et tout, à cette époque-là, il mieux fallait que je sois vacciné, ouais. Vraiment. De toute façon, j'aurais pas pu faire autrement. En plus, à l'époque, je travaillais encore. Donc, voilà, le premier vaccin, je travaillais encore. J'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. C'est ça ou sinon, je rentrais plus d'oseille à la maison. Après, oui, bah. J'y étais, voilà. On m'a dit, tu veux mourir? Non, bah alors va te faire vacciner. J'y étais. J'ai fait le mouton. Maintenant, bah, on verra bien. On verra bien, de toute façon, on aura bien la vérité un de ces quatre. Hein. C'est comme Tchernobyl en 86. Hein. Nuage, j'ai jamais passé au-dessus de nous. Et puis, tu vois, 20 ans après, hein, on commence à connaître la vérité vraiment, et encore. Les dossiers sont pas encore tout sortis, mais on commence à savoir que on s'est fait troller, quoi. Le Covid, c'est pareil, hein, on aura la vérité bien plus tard. Ça arrivera bien un jour. Le problème, c'est que ça sera trop tard. Hé, hey, tu l'as déplié la dernière palme là? C'est quoi le truc là? C'est déjà merci. Trop tard. De toute façon, faut faire le tri, faut faire le ménage, on est trop nombreux sur cette planète. On va la faire crever cette planète à force d'être 50 millions de personnes. Enfin, 50 millions, c'est une façon de parler parce qu'on est bien plus que ça. Tu me feras le plaisir de ramasser ce que tu as mis sur le chemin d'entrée du camp. Et je peux pas le ramasser quand c'est à l'extérieur du champ, je peux pas le ramasser. Ah, je suis peut-être trop au bord là, tu veux que je resserre un peu? Ah ouais. Bah à ce moment-là, tu passes dans l'autre sens. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Attends, bouge pas, je vais passer de l'autre sens. Bouge pas. Je vais tourner dans l'autre sens. Oublie Slandin, je le récupérerai au retour. Je vais ramasser ce que je peux, mais. Je viens de regarder la base de données de la nappe de Néronde a repris 2 mètres de hauteur d'eau en une semaine. J'imagine même pas le lessivage des sols. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, on s'est pris 3 fois 45 mm hein, en l'espace d'une semaine, je crois. On s'est pris 3 orages dans la gueule, mais ça a nettoyé le problème. Mais vraiment. Est-ce que ça va me prendre tout? Que ça va me prendre tout, ça va mon. Ouais, ça va pourra pas prendre le bord. Je suis désolé. Je pourrais prendre qu'au maximum ce qu'il y a là. Non mais patron, faut pas partir à l'envers. Ah, j'étais pas à l'envers moi pour moi, j'étais à l'endroit. Mais après, tu sais, couillon reste couillon. Hein, t'es dit. J'en ai pas fait assez IRL, c'est pour ça. Tu sais, faut que j'y retourne là, faire du foin. Là. Pas mal. On retrouverait peut-être ma GoPro. Je crois que ça viendrait de ça, ça a remonté les lessivages de sol et ça a remonté du coup
hydrocarbures qui seraient foutus dans le château d'eau. C'est pas traité tout ça normalement. Bah, les eaux pluviales elles peuvent pas être traitées. Hein. Bah, les nappes, enfin je veux dire le château d'eau quoi. On n'est plus en château d'eau à l'ancienne ou c'est par secteur maintenant. T'as pas de château d'eau. Enfin nous, château d'eau, je crois que c'est Joux. Ouais, ça doit être Joux. T'as pas de. On a plus de château d'eau à Mornay quoi. Avant il y en avait un, mais il y en a plus. Avant, tu sais, dans tous les petits patelins, t'avais toujours un château d'eau. Maintenant, ils ont rassemblé les châteaux d'eau. Il y en a un en haut de la rue de mes parents. Non, cette saison, c'est un peu mort. Ouais, bah, carrément. Déjà, moi, je suis halluciné de voir des orages au mois de novembre. Je sais pas si vous en avez eu de votre côté, mais... Quand je vois des orages au mois de novembre, je suis en train de péter une durite. T'es. Je viens de me dire, mais what the fuck, il va où ? C'est quoi cette météo de taré, là ? J'avais encore des éclairs hier. N'importe quoi. Attends, bouge pas. Non, mais je bouge pas, je t'attends. J'ai une longue queue, pardon. Je suis patient. Alors, je sais pas ce que tu fais là, mais. L'équipement ne peut pas être utilisé pour. Oui, non, oui, non, mais vas-y. C'est ce que je fais, moi. Je pouvais pas prendre le bout, j'ai été trop loin. Machin. Ouais, ouais. Bonne nuit, Rasta. Bonne nuit, bonne nuit. Ah bah là, tu viens de bouffer l'arbre, quel câble. Bah sans les hydrocarbures, les pluies qui sont en train de remplir les nappes sont en train de nettoyer tous les dépôts de surface sur... Ah ouais, moi tu... Ouais, ouais du coup, ouais, tu ramasses plein de merde. Ouais du coup, ouais, bah ouais. Ouais, logique, ouais, ça reste logique, c'est vrai, bien vu. Tu me diras en dos pour les deux bennes. Faut travailler dedans pour le savoir, hein. Bah faut, c'est par logique tu vas me dire hein, quand tu réfléchis. Mais bon faut le savoir, devine. Là j'y avais pas forcément pensé. Je veux prendre un gros dans le... Ah tu viens d'en prendre un gros dans le Var. Ah oui d'accord. Ouf. C'est compliqué la phrase. C'est compliqué. À la même, j'ai eu une petite... Bon, après, ça arrive, dans le nord, les tornades, là, qui passaient le mois dernier, je crois. Le mois dernier qu'ils ont ramassé, cher dans le nord. Bon, après, ça arrive. C'est souvent leur secteur où il fait un peu de tornade. Mais bon, à cette saison-là, c'est quand même impressionnant. Aux États-Unis, cette année, ça a été un truc de ouf. Là, j'ai regardé... Putain, à chaque fois, je mange son nom. Il y a un gars français, là, qui va aux États-Unis chaque année, là. J'ai perdu le nom à chaque fois, je bouffe son chasseur de tempête lyonnais. Là, il est parti aux States. Là, cette année, ils ont chopé de ces tornades. C'était pas vilain, hein. Pas dégueulasse. C'était une grosse année assez balèze dans les anticyclones. Dans les anticyclones, dans les systèmes. Tornades. Pas de soucis. C'est si, je me doutais bien qu'il y avait un correcteur qui était passé par là. Ça m'étonne pas. Ça ouais, compliqué tout ça. Où va notre petite planète ? Eh, je me démarre pas trop mal. Hein. On va bien s'en sortir. Hein. Ils annoncent un ouragan en fin de semaine aux États-Unis. Il va frapper le Québec. Hein. Putain, il remonte jusqu'au Québec ? Oh. T'es sérieux ? Putain, Putain, c'est chaud. Remonter jusqu'au Québec, chaud, ouais. J'ai pas vu les infos. Alors, tu vois, je fais métro boulot dodo, moi, en ce moment. Hein. En ce moment, je suis avec vous, je repars, je vais dans dodo. Hein, j'essaie de me reposer le maximum pour être en forme. Je suis pas trop les actualités, je suis pas trop non plus en gaming non plus. Donc, c'est vrai que j'ai pas regardé les infos. Le reste de l'ouragan finit toujours au Canada. Ouais bah ouais. Ouais mais bon, en temps normal c'est la fin gentille quoi. Je veux dire c'est pas une fin, c'est pas le début quoi. C'est pas la Floride. Tu vois ce que je veux dire quoi. C'est pas Katrina. Quoi. Pas te découper le Québec en deux.
Quand tu m'as dit elle finit au Québec, pour moi, c'est voilà, c'est elle traversait, elle finissait, elle commençait de dégrossir en fait au Québec. En fait, non, elle va s'arrêter au Québec, quoi. Elle aura dégonflé avant. Parce que là, vu la masse d'air froid qu'il y a là-haut, pour la recharger en air chaud, okay, quoi. Moi, passer le Canada, il a goûté à l'ouragan. C'est bizarre, hein. Bizarre les temps quand même. Moi, j'imaginerais pas, franchement, j'imaginerais pas avoir une F4 à la maison, tu vois. Ou une F5, t'es. Un truc qui te déménage une maison en 10 secondes, t'es. Hein? Tu dis Anto? Non. Ouais. Ah, il parle à sa femme. Commence à lui dire, fais les valises! Y'a la tempête qui arrive! Imagine, on n'est pas habitué nous à ces bordels là, les États-Unis ils sont habitués mais. Et nous on n'est pas habitué, on n'est même pas équipé pour, tu sais, on n'a même pas de système d'alarme. Regardez dans le nord ce qui s'est passé. Les systèmes d'alarme, ils sont déclenchés vachement tard et tout, et ça a été fait par téléphonie. Et voilà, ils ont pas été prévenus vraiment, tu sais. Nous on n'est pas équipé pour recevoir ça. T'sais. Déjà quand la pluie de ouf qui tombe sur nos gueules, là qu'on voit que devant. Moi j'ai une toute petite colline devant chez moi, j'arrive à voir un ruisseau sur la descente. Alors que c'est une petite colline de quoi, je vais prendre 10 mètres sur 300 mètres, quoi. Minimum, quoi. J'ai rien. Après, c'est que de la descente, c'est du vallonnage, quoi. Et dit, on arrive à avoir des chutes d'eau impressionnantes. J'imagine pas le reste, c'est. Essayez de prier pour que l'on ait la plus grosse saison de pluie qu'on ait depuis 15 ans. Sinon, cet été, vous irez chercher vos packs de flotte à la mairie. Ouais. Ouais. Ouais, bah ça, ouais. Là, j'ai déjà anticipé ça. fin d'été, j'ai commencé à poser des récupérateurs de pluie à la maison. Je dois avoir au total 4000 litres d'eau. Au jardin, les conneries comme ça. 4 tonnes, j'ai 4 tonnes d'eau. 4000 litres d'eau semi-enterrée et tiers. Récupérer le maximum de flotte pour l'été. Moi pour le jardin et pour certains trucs. Viens me pousser s'il te plaît. Tu t'es pendu? Oui. Je me suis perché. Après on est bien parti pour être sur une bonne pluie. Hein. Alors je sais pas chez vous mais des dangers comment ça se passe. Mais alors nous niveau pluie franchement j'y rentre plus dans le je rentre plus avec le camion dans le terrain. C'est tellement mou, tellement. Vraiment mou, alors ça va peut-être pas rentrer en profondeur, mais peut-être pas encore dans les nappes, mais non, tu veux pas descendre de ta botte, toi. Tu me fais faire des conneries. Mais lève ton matos, toi aussi. Ah non, je vais te sortir. Bouge pas. Prêt. Ah bah je suis toujours prêt, moi. J'ai pris ta place, du coup. Ça va. À côté de ça, on utilise l'eau potable pour la chasse d'eau, des toilettes et tout. Ouais, on est d'accord. Et ça, ouais, bah ça. Tous ceux qui sont propriétaires, s'ils ont pas commencé à réfléchir à un système annexe, franchement, ce serait dommage. Moi, personnellement, je m'attends à une grimpée des eaux dans les années, mais. C'est pour ça que le système de flotte comme ça, en indexé, en fait, me servirait pour les eaux sales en fait. Les chiottes comme ça tu vois, les chiottes, le jardin comme ça. Tu le sépares de ta tuyauterie. Ça tombe bien, je suis en rénovation, je peux faire deux systèmes. Bonne idée la réserve d'eau, tu y colles un système UV de traitement au cul, tu pourras gérer. Hein. Ouais, alors j'avais pas pensé la boire, tu vois, la flotte. Je la pense vraiment à l'utiliser en mode pour le jardin déjà d'une et de deux en mode pour les chiottes, tu vois. Relier que les chiottes dessus, tu vois. Parce que c'est déjà un système que j'avais à une époque. Ma première maison, en fait, elle avait un puits et j'étais équipé de. J'avais deux circuits d'eau. Un circuit d'eau pour le puits, pour tout ce qui est eau non potable. Et un circuit d'eau potable, en fait. Ça gérait bien comme ça. Du coup, je connais bien le système. Mais j'avais pas pensé au traitement. Ouais, un traitement UV, ça doit coûter une fortune en électricité. Je crois que t'as pas le droit, surtout, d'utiliser l'eau de pluie pour les chiottes. Bah, je vois pas pourquoi t'aurais pas le droit en fait. Parce que franchement, que j'ai le droit ou pas, je m'en bats les couilles. Moi. Je préfère avoir de l'eau potable que. Et pouvoir boire. Que me retrouver sans eau potable et dire que derrière, je l'utilise pour pisser dans mes chiottes, quoi, tu vois.
On oublie quand même que dans certains pays, hein, les enfants, certains pays, les gars, ils ont pas d'eau. Hein, peine à boire, ils ont pas beaucoup de flotte, c'est. Nous, on pisse dedans, quoi. Allô? On pisse, on se lave avec de l'eau potable. Il y en a, ils ont pas d'eau potable, c'est. On oublie le luxe, dans quel luxe on vit, tu sais. Vraiment. C'est malheureux, hein. Il y a des pays, les enfants, quoi y faire, ils nous prennent pour des teubés, quoi. Et vraiment. Je vous jure, vraiment. Et là, ça va nous rappeler à l'ordre, parce que si vraiment ça. Comment te dire? Si vraiment ça tombe en sécheresse et qu'on manquera d'eau dans. Allez, on va dire dans 10 ans pour aller au plus loin. Là, t'aurais pas pu la cracher ailleurs, ta botte, toi? Sérieux? Par contre, tu feras gaffe, tu prendras d'abord les petites. Ah, je vous jure qu'on en reparlera. Avec l'autostack. Ouais, hein, je prendrai pas la petite, là, vu l'heure qu'il est. Je les prendrai pas en autostack. J'irai pas plus loin. Ah, mais je le ferai moi alors. J'irai pas au plus loin. Chouchou, tu prendras les bennes? Ouais, j'arrive. Un système complet de dépannage UV, je dirais que ça coûte 500 euros à peu près. À l'achat? Juste le système? Ouais, mais attends, traitement UV, pour moi, ça me fait rappeler les lampes UV. Les lampes UV, ça coûte une blinde, quoi. C'est un radiateur, le machin, quoi. Non, les lampes UV pour les bassins, ça coûte pas cher, mais... Ouais, ça dépend ce que tu prends. Hein. Par consommation électrique, je veux dire, c'est vachement énergivore, quoi. Déjà, les deux PC que je me goffre à la maison, je les trouve déjà énergivore, ouais, les machins. Une lampe UV, elle consomme beaucoup moins, hein. Mon père, il a une 36 watts, je crois. Père, il fait pousser. Mais non, mais mon père, il a le bassin. Ah, vous avez, j'ai un pote qui fait pousser, vu sa facture d'électricité, je lui ai dit, t'es sûr que t'es rentable? C'est la blague, c'est une blague, je rigole, j'ai pas de potes qui font pousser. Mais bon, c'est pour dire, les traitements UV, des fois, enfin, les lampes ampoules UV coûtent cher, pardon. Après, ça se calcule, hein. Une ampoule UV de... Voilà, c'est... Je crois... 36 watts, je crois. L'électricité, ils vont pas nous faire de cadeaux cet hiver non plus. 36 watts, c'est pas énorme, tu vois, en consommation. Mois de janvier, je pense qu'on va prendre, on va trinquer. Il arrive en tôt. Janvier, février, là, je pense que quand le froid va commencer vraiment à s'installer, je pense qu'on va commencer à prendre cher. Pour toi, c'est pas logique. Vu comment tournent les disques, t'aurais pu partir dans l'autre sens. Merdeuse. Hop là! On est arrivé. Ah non, on n'est pas arrivé au bout. C'est pas fini. C'est pas fini, chef, mais il y a des balles partout! Oh, ça y est. Soussou, il nous a semé des balles partout! Putain, on va éjecter carrément. Voilà, ça va lever les andins. Non. J'ai mis des pierres. Je veux pas la lâcher, l'autre là. Il veut pas la lâcher. Heureusement que j'ai un gros casse devant. Hein. 36 watts pour l'eau potable. Bah, ça va, c'est pas encore trop cher. Tu couples ça à un panneau solaire indépendant sur le côté, c'est bon. Histoire d'être complètement autonome. D'avoir de l'eau et de l'électricité. Voilà, si on veut parler expérience, les gars. Enfin, expérience. C'est-à-dire sur les panneaux solaires et tout ça. Là. Je viens de taper un 2. Ça m'a fait complètement peur. Bon, je suis un monument classé, donc ça passera pas, c'est sûr. Putain, tu m'as foutu un bordel avec... pour 18 000 euros de panneaux solaires, mon gars. Dis pour rien, c'est pas ma faute. Dis, laisse tomber la neige, quoi. Tout ça pour virer ma facture d'électricité. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. En plus, c'est même pas tu récupères et tu le stockes, c'est en plus tu le revends directement à EDF, quoi. Je trouve même pas ça moyen. Enfin, même pas ça terrible. En fait, j'aurais préféré le dire de le garder. Ce que tu leur redonnes. Arrête de pousser, Schizo, tu vas avoir une surprise gratuitement. Hi. Ah non, elle sert pas du tout pour ta conso. Hein. Ils te le rachètent direct. Ouais. Elle passe même pas dans ta consommation. C'est juste tu produis l'électricité. Tu le rachètes, si je me rappelle bien, c'est 0,10 du kilowatt. Une misère. Ouais, c'est ça, c'est une misère. Et puis derrière, bah en fait, t'arrives à. Suivant la taille des panneaux, en fait, le nombre de panneaux que t'as, bah t'arrives à te tout fournir en électricité parce qu'ils te refilent un chèque tous les 6 mois. Et en fait, ça paye ton EDF des 6 derniers mois, quoi. Faut juste pas avoir surconsommation. Si tu commences à monter la consommation, tu vas avoir des problèmes. Faut pas avoir une 4,90, hein. C'est ça.
Ah, tu rigoles, dans le bilan énergétique, tu sais quoi, le gars m'a dit votre maison elle est bien. Hein. Il dit, je comprends pas pourquoi vous consommez autant. Hein. Je dis, cherchez pas, moi je sais pourquoi je consomme autant. Il dit, j'ai deux PC là-haut, ils sont vachement gourmands. Il dit, cherchez pas. Il dit, ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont vraiment faim. Je pense manger, que... manger. Je pense que c'est ça qui fait manger l'électricité. Quand il a fini, il dit encore. C'est ça. Bon, après, il tourne pas H24. Avant, il tournait H24. Je les éteignais quasiment pas. Mais là, depuis les problèmes de DF qu'on rencontre, maintenant je les coupe tout le temps en fait. Le PC. Je coupe vraiment tout le temps. Vraiment, vraiment. C'est très rare. C'est aussi bien, ça leur fait du bien au PC de t'arrêter. Oui. Ouais, alors bien, ouais, je sais pas. Parce que c'est souvent que ça dérègle un truc, ça fout la merde. J'aime bien les laisser allumer. Au moins, ça fout pas la merde. Et j'avoue. J'avoue que bon, sur la facture, je vois pas encore, mais je devrais sentir la différence. Vraiment. Allez, les gars, on se laisse là. Merci pour la petite soirée écologie, économie. Petite soirée galère encore sur l'émission. Prochain coup, on sera sur le serveur communautaire, je pense. Je pense que vraiment qu'on va le mettre en serveur. Parce que ce serait une bonne idée. Parce que là, on galère beaucoup trop. Là, on galère beaucoup trop et on va faire beaucoup trop de missions et ça va être beaucoup trop lassant. Ça va être trop chiant. Voilà. Enfin, trop lassant. Une fois qu'on aura fini tous les champs, il y aura plus de missions. Ouais, bah ouais. Et puis c'est surtout qu'on va manquer d'argent et puis qu'il va falloir enquiller derrière. Mais ça manque de main-d'œuvre aussi un peu derrière. Mais bon, on verra comment ça se passe. On essaiera d'enquiller. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez de l'avoir sur le communautaire. Et si vous voulez venir, il suffit juste de rejoindre le Discord. Twitch, on se dit à vendredi. Peut-être pour du Call of. Voilà. Peut-être sur Call of avec VG. Enfin, ça fait 2 semaines que je vous promets. Si je suis pas encore malade et que j'ai pas encore de problème, normalement je suis là. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine, Eskizo. Merci à Anto et Soussou d'être venus me filer un coup de main et l'embellant en petit furtif. Et on dira à Chris qu'il se soigne bien. À la prochaine, Eskizo. Ciao. Bonsoir, ciao. Ciao. Ciao tout le monde.